Bon, les amis, on va commencer à jouer. Nous sommes avec, du coup, Céline Fion, qui est la première génération du Génération Leader. Elle est juste là, elle est devenue adulte. Si vous voulez les règles du Génération Leader occulte revisité, vous pouvez faire le point d'exclamation Let's Play. Mais en gros, nous avons eu deux enfants déjà. Tu joues à un jeu que tu aimes, mais en difficulté hardcore. Pourquoi pas? J'aime beaucoup la structure de ta maison. Merci, je vous la partagerai dans la galerie quand le challenge sera terminé et qu'elle sera bien, bien rénovée. Nous avons eu du coup des jumeaux. Nous avons eu Troufion et nous avons eu François Fion. Voilà. Et la maison, à la base, nous avions commencé avec une ruine. Et comme vous pouvez le voir, nous avons terminé l'épisode 2 avec une petite rénovation de la maison. Que voici. Franchement, elle est stylée, elle est sympa. Il nous reste pas beaucoup d'argent. 229 simflouz. C'est relativement pas beaucoup, mais quand même. Elle est si belle, elle est magnifique Céline, vraiment. La maison est vraiment vide, c'est normal. On n'a pas d'argent, on la rénove au fur et à mesure. Et forcément, bah, ça commence à déjà ressembler malgré tout à quelque chose, quoi. La dernière fois que je suis venue, c'était au tout début, ça a bien changé. Ouais, carrément. Et du coup, en gros, pour les règles du Génération Leader, il faut qu'on fasse un accouchement à domicile obligatoire. Le but du jeu, en fait, si vous voulez, c'est d'avoir un Sims qui soit beau slash humain en partant d'une première génération qui est donc celle-ci. Merci Golden pour le follow, bienvenue. C'est gentil. On doit être obligatoirement en accouchement à la maison. Si la Sims elle est stérile, il faut qu'on passe directement à une autre génération. La future génération, donc par exemple dans ce cas-là, ce sera forcément Troufion, devra tuer quand ils seront jeunes adultes son frère ou sa sœur parce qu'il est moche. C'est horrible, hein, mais c'est très très marrant. Et à chaque fois avec une mort complètement différente. On doit avoir un accouchement autorisé par génération. Les partenaires, quand on va faire crac-crac et tout pour avoir des enfants, ils doivent être obligatoirement humains. Et la future génération doit être obligatoirement occulte, donc ça rajoute de la difficulté là-dedans. Il faut qu'on termine aussi nos points de talent quand on est occulte par génération. Donc là, il va falloir qu'on termine ça avec Céline Fion. Et il faut qu'on fasse aussi une collection par génération. Donc c'est libre à moi de choisir la collection que j'ai envie de faire. Et je m'étais dit qu'avec Céline, ce serait plutôt des fossiles, en gros. Je m'étais dit, les fossiles, ça peut être très sympa. Oui, c'est Céline Fion. Céline Fion, Troufion et François Fion. Et en gros, le père de ces enfants-là, c'était Sergio. Et on a rompu avec lui la dernière fois, pour la simple et bonne raison que, eh bien, monsieur nous a un petit peu trop saoulés. Voilà. Autonomie totale, est-ce qu'on est bon? Ouais, et espérance de vie, on est en espérance de vie courte. Salut Nessa. Écoutez, combien ton PC? Alors moi, mon PC, je l'ai monté de toutes pièces et en gros, on est dans les 2500 balles, quoi. Merci Inkini pour le follow, bienvenue. C'est quoi les packs que vous conseillez le plus? Saison, hein, Apolline, hein? Saison, hein, direct, hein, sans hésitation. Du coup, ouais, donc là, attendez, il y a un problème avec le nounours. Ah non, je croyais qu'il flottait, n'importe quoi, ok. Donc là, la maison, elle est comme ça pour le moment. On a le strict minimum pour survivre, on va dire ça comme ça. Mais le seul souci que j'ai, c'est que j'ai pas délimité les pièces pour le moment. J'ai cru que j'avais eu un follow, non, mais je te jure. Attends, par contre, la poubelle en plein milieu ici, c'est pas forcément cool. C'est pas forcément très très cool. On va faire ça là. Est-ce que je peux pas vendre un petit truc à la con là? Je peux pas, hein. Franchement, je peux pas. Je vais arrêter mes bêtises. Juste le temps de, parce que. Ah, si, peut-être des lampes. Les lampes, ça coûte de l'argent. Pour me mettre une gazinière quand même. Est-ce que je peux pas. Genre, si je l'enlève lui. Ça sera un peu plus sombre, mais est-ce que c'est vraiment grave? Genre, tu vois. Genre, elle, on pourrait l'enlever. Au moins, c'est toujours 40 simflouz et on la centre. Au moins, ça fera un petit peu plus de lumière, mais ça ira, quoi. Ça, et devant l'entrée, je vais enlever ça et ça. Est-ce que je peux me prendre une gazinière? Je peux me prendre une pourrie, mais franchement, je vais le faire. Parce que pour les gâteaux d'anniversaire et tout, je pense que ça pourrait être très utile. Attendez, je vais tout décaler. Hop. Hop. Voilà. Au moins ça. Au moins. Tu gagnes comment? L'argent? Tu travailles ou tu twerk? Elle travaille pas. Je gagne avec les moyens du bord, tu vois. Je gagne en mode. Comment dire? Je fais de la peinture. Je veux devenir une grande star. Tout ça, quoi. Je sais pas pourquoi le point d'exclamation. Ah non, vous avez eu un cooldown pour Google, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Vous avez un cooldown.
Comment tu as réglé le bug des lumières? Bah, en fait, j'ai juste fermé mes pièces au final et après, ça avait marché. Donc, dans tous les cas, c'était bon, tu vois. François Fillon a fait ses devoirs pour aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a fait ses devoirs? Donc, notre future génération, ça va être Troufillon. Elle grandit. Ils grandissent demain. Ils deviennent ados demain, les gars. Donc là, on va avoir leur physique définitif. Le physique définitif, vraiment. J'aimerais bien que... Bah, vous savez quoi, les enfants? Vu que j'ai envie que vous soyez quand même studieux, surtout toi. Tu vas travailler soigneusement ton boulot et tu vas faire tes devoirs juste après. Céline, elle est en train de faire à manger. J'espère qu'elle va pas me foutre le feu. J'espère vraiment qu'elle va pas me foutre le feu. Il faut aussi qu'on continue de gagner un petit peu tout ça, là. Piste de danse en carton. Oh, j'ai gagné une piste de danse. Je vais la vendre, franchement. Argent, moula. Là, j'ai des livres pour apprendre des potions. Livre du sort Furio et j'ai un livre de l'amitié imposée. Ce serait bien que tu prennes une portion, toi aussi tu commences à avoir faim. Est-ce que... Ah non, c'est derrière maintenant. Est-ce que mes plantes, elles sont bien là? Oula, magie? Ah, je peux calciner? Non, ce serait un peu trop triste là. Ok, est-ce que c'est de saison au moins? Parce que là on est en automne, est-ce que je suis bien? De saison, et toi? Été? Ah merde! Faudrait que je me fasse une mini-serre gratuitement. Merci Virginie pour le follow, bienvenue. C'est gentil. Qu'est-ce que tu fais? Non mais il faut que tu t'entraînes avec ta magie là, madame. Hein. On va s'entraîner. Non mais je vous jure, elle a une teutée par contre, j'en peux plus. Magie, pratique de la magie, magie indomptée. Ce serait bien aussi qu'on devienne vraiment célèbre. Hein. Elle veut devenir célèbre, rappelez-vous. Pratique la magie, pratique, du coup. Ça va nous faire gagner tout ça. Qui c'est? Vous aimeriez avoir l'air si heureuse que moi? Eh bien, c'est possible, il vous suffit de m'envoyer un si... Flouze, pardon, j'ai eu le okay. Non, je veux pas. Comment ça va, Virginie? On fait comment pour rejoindre le Discord? Point d'exclamation Discord, Emma. C'est pas le jeu qu'elle veut, mais Twitch. De quoi? De quoi tu parles? Mais mon arnaque télémarketing... Non, mais ça suffit, l'arnaque, là. Ça suffit. On dit que tu participes à des bagarres, tu ferais mieux de faire attention. Ah oui, parce que je me suis battue avec mon ex. Entraînement de magie calciné, François, ça peut marcher. Oh, vous êtes horrible. Non, mais par contre, elle, est-ce qu'elle peut pratiquer la magie à son âge? C'est une vraie question. Est-ce qu'elle peut pratiquer... Elle peut... Non? Trou n'a pas de familier associé à elle. Il faut qu'on aille lui chercher un familier! Oh, mais ce serait beaucoup trop mignon de le faire par contre. C'est besoin. Tu vas te pisser dessus, ma poulette. Hein. Salut Fanny. Non, non. Elle va se pisser dessus et tout. Ça va pas du tout là. Vas-y, utilise. Elle va se faire dessus. C'est trop. Voilà. Te pisse pas dessus. Hein. Faudrait trop qu'on l'emmène associer son familier. Oh super, montre-moi ton nouveau sort. Ah, on a appris un nouveau sort? Trop cool. Attends, mais on a toujours pas des points de compétence. Plus de choix, magie. Ne jamais utiliser le balai. Pratique encore la magie indomptée. Impeccable parce que tu es un peu. Tu commences à puer légèrement. Donc écoute, pourquoi pas. Et fais de la magie malicieuse. Et en fait, si elle a pas de familier, elle peut rien faire. D'accord, ok. J'ai utilisé 2K pour un centre d'alerte et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé ce que c'était. C'est bonjour en simlish. C'est le soul, en gros. Imagine, elle se pissait dessus. Elle s'est pas pissée dessus. C'est bon? Attendez, mais non. J'aimerais que tu jettes tout ça. Augmente ta responsabilité. Augmente ta grande responsabilité. J'ai entendu dire que tu avais développé tes capacités magiques. Aimerais-tu les mettre à l'épreuve en m'affrontant sur le terrain de duel? Oui. J'y vais et je vais ramener du coup ma fille. Comme ça, on va lui associer un familier. Salut Madame Pingouin, comment ça va? Comment vous allez, les gars? On peut choisir le familier de Trou. On va aller le faire, ouais. Son oiseau est incroyable. Il est beau, hein. J'aime trop, moi aussi. Ouais, c'est le café exact, Gollum. C'est pas grave, Nono. Tant que tu comprends et que tu fais attention pour les majuscules, c'est le principal. Oula. Oh, elle vole vachement mieux, là. Regardez. Ouah, le super atterrissage. Non, mais regardez, elle s'est habillée comme Jaja. Non, je n'ai pas changé mon écran de chargement. Hop. Vas-y, elle est où? Mais je veux me battre. Elle est pas venue. Oh, foutaise. Attends, je vais ramener Trou quand même. Viens ici, Troufillon. T'es là. Ok, t'es là.
Alors, elle est arrivée ici. Je ne sais pas pour quelle raison obscure cette dame ne veut pas venir se battre avec moi. Du coup, j'aimerais qu'on aille au chemin de traverse, juste là. Qu'on aille dans l'allée de jeteurs de sorts avec maman. Hein. Tu vas le faire? Ah, si, elle va se battre. Ok, cool. Ah, c'est parti, c'est la guerre. Allez, défonce-le! 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 Merci Stinla, Stinila, pardon, merci pour ton follow, bienvenue. Le pack c'est monde magique. Allez, défonce-le. Bah, c'est un maître après, hein. Oh, c'est bien! Mais regardez, elle a progressé. Oula. J'étais là, regardez, elle a progressé. Elle s'est faite soulever. Avada Kedavra, de fou. Expelliarmus là! S'enthousiasmer à propos de la magie. Est-ce que tu peux discuter? Est-ce qu'on peut. Tu peux nous apprendre des trucs ou pas? Magie, s'enthousiasmer, défier, sort, calciner, refroidio. Refroidio, c'est quoi? C'est pour qu'ils me l'apprennent? Ah non. Oh non mais je voulais pas faire ça, je savais pas que je l'avais appris. Salut, je suis nouvelle, c'est quoi tes temps de live? Généralement je live 4h, 3h30, 4h, ça dépend, bienvenue à toi. Salut sur TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch hein, si jamais vous avez le lien qui est en bio, c'est plus simple pour discuter. D'accord, je suis désolée monsieur, je ne voulais pas faire ça, pardon. Bon, on va s'occuper d'elle, de Troufion, j'aimerais bien que... retourner au QG, non. Est-ce que ta mère... Ouah, je me perds. Tu peux faire le point d'exclamation Let's Play si jamais Inessa. Tu auras toutes les informations. Trou. Il y a ta mère qui arrive. Attends, il faut que tu fasses tes courses là, Mimi. On va lui prendre un petit occulte. Tu peux pas? Je peux. Pourquoi elle peut pas, elle? Attendez, est-ce que c'est parce qu'elle est enfant et qu'on peut pas? Ou est-ce qu'on peut nous acheter un familier? Enfin, genre c'est sa mère qui lui achète un familier, elle lui donne. Oh, on a une chauve-souris, une poupée vaudou ou un phénix. Mais incroyable. 500 balles. J'ai pas d'argent, les gars. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. Elle est trop jeune. Enfin, elle peut pas pratiquer la magie. Mais pour... on avait l'interaction. Tu pourras lui attribuer. On est d'accord, mais j'ai pas de thunes. Écoutez, il y avait un phénix là. Je vais les vendre. Je vais vendre les deux livres. Tant pis pour les potions. On aura de l'argent pour s'acheter au moins un familier. Le phénix. Ouais, mais on m'appelle Ciseaux, Cassoulet et tout. Je sais que c'est vos correcteurs. C'est drôle. Achète là. Voilà, alors on prend quoi? Soit la chauve-souris, soit un nez retroussé, soit un phénix, soit la poupée. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le phénix, c'est la base. Le phénix, comme par hasard, qui coûte 500 balles. Phénix, on est d'accord? Salut, j'ai le mode grossesse, il y en a d'autres de sympas pour pouvoir faire plein de choses. Le mode accouchement réaliste que j'ai présenté sur TikTok, il est cool de fou. Phénix, hein. Ah, chauve-souris! Ah, phénix. Phénix. Ok. J'ai pris le phénix. J'ai pris le phénix. Ok, est-ce que je peux le mettre là, du coup? Admettons. Et associer le familier. Oh! Je peux? Oh! On a un phénix! Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Essaye de marchander. Trop tard. Parce que je suis un pigeon voyageur. Comme ça, ça, là, là. Comment on l'appelle? Sachant qu'on a Edwige. Et on l'a appelé l'Edwige. Plume sec. Plume sec, c'est très drôle. Plume bec. Oh, plume sec, plume bec, c'est drôle. Plume bec. Flamme cuche. Bah oui, non. Fume sec, c'est la base. Mais plume sec ou fume sec, c'est drôle. Enfin, pas fume sec. C'était quoi? Merci Simlis21 pour ton follow, bienvenue. Attends, il y avait plume sec et plume bec. Feu au cul. Plumbec, c'est drôle, ouais. Fumtech. Plumbec. 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 J'aime bien. Phoenix, yo. Cul sec. Allez, Plumbec. Théo. Tu l'as associé, ton familier, bibiche. Flamme cuche. Ça aurait été bien. Magie, familier. Invoquer le familier. Je veux voir. Je veux voir son familier. Mais maman, dégage! Non mais la daronne, quoi. Merci. Appelle Plumbec. Oh non, je... C'est trop... Mais attends, c'est magnifique.
entre le familier de sa mère et le sien, c'est incroyable. Mais il est incre. Mais regardez ça. Je prends la photo. C'est trop beau. Il est magnifique. Merci Lindsay, c'est gentil. Bah t'as le mode grossesse alors du coup Lindsay, si jamais. T'as mode grossesse et mode accouchement réaliste, c'est deux différents. C'est... Il est trop beau, mais regardez-le. D'ailleurs, il y a un mode, qui permet, je crois, d'avoir des interactions avec les familiers. J'ai pas cherché, c'est chiant. Ellie, merci pour le follow, bienvenue. Il faut que je télécharge ce mode où tu peux interagir normalement avec les familiers. J'avais vu ce truc passer. Je dois choisir quoi entre le mode saison ou accouchement? Le mode, il y a un mode saison? Il y a un pack saison? Trop beau, trop beau. C'est bon, ok, tu as ton familier. Est-ce qu'on ne lui achèterait pas sa petite baguette magique quand même? Et merci, Registered. Merci pour ton follow, bienvenue. On va marchander avant, du coup. Pack saison, la base, hein. Il n'y a pas de pack accouchement. Il est trop adorable. Si tu retrouves le nom, tu nous le dis, hein. Oui. Mais je vais chercher, en vrai. Si vous voulez, je vous partagerai sur le Discord. Bonjour, j'ai pas reconnu les Sims. J'ai cru que c'était Disney Dream. Il n'y a aucun Disney qui ressemble à ça. Bon, en vrai, si. Ursula, par exemple. alors, on va prendre une baguette magique pour notre fille. Donc, soit une baguette magique de création astrale, une baguette magique en marbre, une baguette magique naturelle. Ah, il y a des nouvelles. Chouette Six Sam, fée et grenouille. Vous avez vu, ça se reset à chaque fois. Trop bien. Je pense que la création astrale, elle me fait de l'œil. 75 balles, ça va. En marbre, je trouve que c'est too much pour pas grand-chose. Vas-y, prends ça. Coucou, Osan. Vous êtes intraitable en matière de négociation. Bon, je vous offre une réduction de 25% sur toute cette table. Sur tout ce qu'il y a sur cette table. Ouais, merci. Non, attends. Où est la baguette? On va cliquer là. Et on a donc celle-là. On va la mettre chez notre fille. Je rentre de mon entraînement. T'as fait quoi comme entraînement? Mode accouchement, c'est au travail ou tu peux accoucher à l'hôpital. Oui, c'est ça. Alors, tu vas toujours utiliser des baguettes magiques. Parfait. Et on va pas lui prendre son balai tout de suite. Elle est trop jeune. On va pouvoir rentrer à la maison. Je vais sauvegarder, surtout. Cool, la réduc... Ça va, la réduc, en vrai. Hein. Ça va. 25%, c'est toujours ça de prix. Hein. Le familier Phoenix, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et aujourd'hui, donc mardi Sims, c'est l'anniversaire des enfants. Hein. Ils vont devenir ados. Ils vont avoir leur physique définitif. Ça va être trop cool. Salut, juste Mixty, comment ça va? Acheter des objets de magie plutôt que de rénover sa maison. C'est le sens des priorités. Le sens des priorités, Sushi. Toujours pareil. Toujours. C'est des jumeaux. Ouais, c'est des jumeaux. Si je devais acheter un pack, lequel me conseilles-tu le meilleur pour toi? J'ai fait un classement de top 3 sur ma chaîne YouTube. Si jamais ça t'intéresse, Lindsay, tu peux aller la voir. Hein. Espérons que c'est pas des katas. Si, ça va être des grosses katas, hein, mais ça, c'est pas grave. Hein, c'est comme ça. Hein. Ok, t'es contente? Continue de faire ton projet scolaire, travaille soigneusement, voilà. Est-ce que toi, ça va? Oui, tu vas aller te doucher, c'est parfait. Et madame est enragée. Est-ce que j'ai un miroir? Oh, j'ai pas de miroir pour me calmer. Bah, en vrai de vrai, si elle est enragée, je vais la faire se coucher direct. Je vais mettre, par contre, éclairage automatique, tous les éclairages. Parce que les factures, n'est-ce pas? Ouais, la maison, elle a carrément changé. Vous avez vu? Et bon, après, il n'y a pas de pièce, il n'y a rien, elle est quasiment pas délimitée, il se passe rien. C'est normal, on n'a pas de thunes. Merci Newt pour la bonne chance, j'en ai bien besoin. Tu vas aller, du coup, j'ai pas assigné les... Est-ce que c'est ton lit, ça? Oui. Ok, tu vas aller dormir juste après. Et toi, tu vas continuer à faire ton petit boulot. Elle est belle, la maison, merci. Une si grande pièce pour un si petit projet. De quoi? Tu parles de là? Tu parles du... Comment on appelle ça? Du hall? Mais par contre, les escaliers et tout, genre pas du tout dangereux, tu vois. Quand t'es fertile sur les Sims, tu peux avoir des jumeaux, car j'en veux trop, mais j'arrive pas. Oui, quand t'es fertile ou quand tu prends, par exemple, l'alignement cosmique aussi. Qu'est-ce que t'as? Non, mais elle va péter son crâne, là. Dors. Dors. Dors, là. Ça, on va le mettre ici, parce que sinon, ça va être complicado. Mais elle veut pas dormir? Les gars, il me faut un miroir. Je vous jure, il me faut... Elle me fatigue. Elle me fatigue. J'ai l'argent pour me prendre un miroir pour enfant. Oh là là, je te jure. Vas-y, on va mettre un miroir ici. Mais j'ai 9 simflouz à cause de tes conneries, là. Céline. Désolée, je rage sur elle. Hein. Sinon, elle va mourir. Essaye de te calmer. Tu me saoules. Calme-toi.
Sinon, on va faire avec le mode extrême violence, je sais, hein, je me rappelle. Mais quand même. C'est pas grave, Nono. Elle va tout détruire. Elle est relou. J'adore tes vidéos et je te suis sur YouTube. Merci, Stranger Things. C'est gentil. C'est bon, tu te calmes ou... Salut Dreamcat, je regarde ton live en coupant mes patates pour mon gratin. Oh, gratin de quoi? Trop bon les gratins. Zen, Madame Fion, ouais. Alors Fion avec un Y. Attention, j'ai modifié pour que ce soit pas banni sur Twitch et tout. C'est Fion avec un Y. C'est bon, tu t'es calmé? Oh là là, va te coucher. Dors, tu feras pipi plus tard. C'est bon, t'es puni. Salut French Girl. Et toi, ok, t'es en train de faire ta petite douche avec ton familier qui est en train de te téma, mais genre fort. Vous voulez pas dormir en fait, 6h du matin, vous avez décidé de faire en fait une nuit blanche, tout cela. Salut Miss Noof, dors. Toi, dors. Et allez, il suffit maintenant. Hein. Coucou étincelle, gratin de pommes de terre, crème chorizo, gruyère. Mmh, ça a l'air trop bon. Envoyez-moi vos photos de bouffe là sur le Discord dans le coin cuisine, je kiffe moi. Allez, on dort, merci bien. Pourquoi tu te réveilles? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pisser? Bah vas-y, oui. Vas-y. Je suis trigger par ce coin-là de carrelage. Voilà, ça va mieux. Coucou, coche, bienvenue à toi dans le chat. Les familiers, ils partent jamais. Je peux moi-même les faire partir si je veux. Prends des restes. Je peux les faire partir, mais vu qu'ils sont beaux, j'ai envie de les garder. Je trouve que c'est cool, tu vois, de les avoir à côté de nous. Mais enfin, mais on fait pas ça! Que tu as modifié la tête de tes enfants. J'ai pas modifié encore. C'est qui comme famille? C'est la famille du Génération Leader, c'est la famille Fion. C'est bon? Elle est encore enragée. Bon. Madame, vous commencez réellement à me courir sur le haricot. Ouh, Salim qui nous appelle. Salim qui est amoureux de nous. Hein. Tu as vraiment bien fait de me recommander de passer du temps avec Fleur Dia, ça a été très amusant. Non mais, ouais. il essaye de nous rendre jalouse alors qu'on est sex friends. Genre le mec, on a accepté, tu vois, ses avances au bout d'un moment. En mode, on se mettra pas en couple avec toi, mec, mais par contre, ça nous dérange pas d'avoir une amitié améliorée. Sauf que, il est super relou parce qu'il fait que nous harceler. Il fait que ça de nous harceler. Vous êtes en retard à l'école. Oh, ils sont en retard d'une heure et demie. Eh, les bolos là. Allez à l'école, vous vous prenez pour qui? Non, calmos, calmos, calmos. Je te jure, calme-toi. Il faut qu'on fasse nos points de talent. Hein. Est-ce qu'elle fait effondrement émotionnel? Oh non. Elle est vénère. Arrête de te vénère comme ça. Les jumeaux sont sorciers, un sur les deux. Oh non, les factures. Elle a vomi. Pourquoi? T'as vomi? Attends, tiens. Cherche des grenouilles ici. Ça, on va pouvoir les vendre. Pourquoi t'as vomi? Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Elle a des problèmes ou c'est quoi? Vas-y, cherche-moi ça. T'as trouvé une grenouille rayée. Merveilleux. Cool. Est-ce qu'on peut les vendre? 10 balles. C'est pas très cher, hein. Ok, enceinte. Non. Elle n'est pas enceinte normalement. Hein. Tout vendre. Vente à sauge. Est-ce que lui, il va pousser? Fruit du dragon. Ok. N'aime pas le jardinage. Elle n'aime pas le jardinage. Je la déteste. Franchement, t'es détestable. Hein. T'es détestable. Ok, on a vendu. Attends, tu dois pas arroser? Non, même pas. Ok. Et elle est très en colère encore. Yes. Bah écoute, au lieu d'être très en colère et d'aller te défouler tes nerfs là, dans le nounours de tes enfants, tu vas... pratiquer la magie, s'il te plaît, pour augmenter tes points de talent, madame. Et on va faire ensuite le gâteau d'anniversaire pour tes enfants. Et nous allons inviter des gens pour fêter la Niv. Et au moins, quand ils vont devenir ados, ils vont pouvoir faire des petits boulots. Ça, c'est cool. Allez, vas-y. Qui sait? Peut-être de son ami plus plus. Non, on avait fait un test de grossesse et lui, il est pas du tout fertile. Il est pas du tout fertile parce qu'il était à 3 sur 100. 3% de fertilité. C'est les modos qui t'ont ban pendant 5 minutes, Emma, parce que tu as beaucoup spammé. Un bébé, peut-être. Non, non. On avait fait un test de grossesse, déjà. Je sais que tu ne cherches pas à gratter, mais je t'ai quand même envoyé un peu d'argent. Quoi? 9 balles? C'est pas beaucoup, mais c'est sympa. Il était pas obligé, le Vladou, hein? Comme ça. Le mec, toute sa vie, nous donne de l'argent, en fait. Fallait mettre non, elle ne détestait pas le jardinage. Oui, mais j'aime bien aller dans le sens de mes Sims pour ne pas me faciliter la tâche. Mais j'ai juste posé des questions. Tu as posé la même question plusieurs fois d'affilée, Emma, et il vaut mieux éviter parce que c'est considéré comme du spam dans le chat. Donc, si jamais on te répond pas, des fois, ça peut arriver que je ne réponde pas du tout parce que bah, je vois pas, tout simplement. Du coup, faut éviter de mettre tout le temps le même message plusieurs fois d'affilée, c'est tout. C'est dans les règles du chat. Elle ressemble à quoi, ta fille? Bah, tu vas la voir. Ah, on a appris un nouveau sort qui s'appelle Repario. Nickel.
Trop bien. Et il me semble que les modos ont répondu que t'as pas dû voir du coup. Je vais les faire réviser assidûment. Voilà, comme ça ils vont avoir de bonnes notes. Et est-ce que du coup on a obtenu un point de talent? Ah non, pas du tout. Oui, mais les modos, ils n'ont qu'à ne pas payer. Qu'est-ce que tu racontes, Emma? Qu'est-ce que t'as avec l'argent? Déjà, sur TikTok, tu me parlais de payer. Là, tu reviens ici, tu me parles de payer. Qu'est-ce que... Ah, parce que j'étais en train de me dire, pourquoi tu parles tout le temps d'argent, Emma? Ils n'ont qu'à ne pas répondre. Eh ben, ils t'ont répondu, Emma, donc... je comprends pas trop ce que t'es en train de dire, là. Je te dis la vérité, je comprends pas trop. Je comprends pas. Merci beaucoup Coco pour le 10e mois d'abonnement. Repario, c'est très utile pour jouer aux Sims, lol. Non mais Revelio, imagine. Bah oui, bah Emma, t'as pas vu, c'est tout. Coucou, je viens d'arriver, c'est quoi l'histoire? Si Sourine, je viens juste d'arriver. Bonjour Manon, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux vraiment réparer des choses? Oui, je pense. Je pense qu'on va pouvoir réparer des choses. Bah on va le tester, hein, dès que c'est cassé. Mais arrête de t'énerver comme ça. Ta sim c'est magnifique, elle est merveilleuse. Mais elle en effondrement émotionnel, je commence à en avoir ras le fiac. Ras le fiac. Pratique, allez, calmos. Y'a pas un truc pour se calmer soi-même là? Parce que honnêtement c'est un petit peu c'est un petit peu relou quoi. Genre, elle est tout le temps vénère. Essaye de lui faire une de ses envies. Mais elle veut faire quoi? Elle veut se faire des ennemis et elle veut discuter avec Trou. Ah ça je peux, tu vois. Le miroir, mais ça sert à rien. Salut Bérangère. Merci Eljam, ça c'est cool ça. Elle a quoi? Elle est relou. Voilà ce qu'elle a. Elle a que, elle est complètement relou, elle est complètement chiante. Parce qu'elle est en effondrement émotionnel, parce que madame se prend pour la plus grande star de la terre entière de l'histoire de l'humanité. Bah il me semble qu'avec Repario tu peux tout faire ça. Oh, démaudire. C'est quoi? Bonne soirée Lolo. Faut se calmer, le fion madame. Tu as du paxisou de fou. Alors, attends. J'ai appris quoi? Repario. Réparer un objet cassé ou améliorer la qualité d'objets artisanaux. On a impeccablo aussi. Là, on a désespoirio. Remplissez l'esprit d'un Sims d'une intense tristesse. Ok. Délirifier. Entrer dans la tête d'un Sims et embrouiller ses pensées. Ensuite, on a calciné. Electro. Oh, on en a un nouveau, regardez. Funèbre appel. Faites sortir les morts de leur lieu de repos éternel. Et on a refroidio, donc créer un souffle d'air qui gèle les gens. Et on peut démaudire aussi, c'était ça? Démaudire, libérez-vous des effets d'une malédiction magique. Trop bien. On a appris plein de trucs, hein. Par contre, c'est les potions qu'on fait pas, tu vois. Je sais pas si je peux préparer à manger avec un sort. J'en ai aucune idée. On a 2 points de talent. Vas-y, go. Alors, on pourrait prendre soit travail efficace. La vitesse des recherches, des expériences et de lecture est largement augmentée. Ok. Sinon après on peut prendre la malice maîtrisée, l'avantage pratique et dompter l'indomptable. Les potions et sorts indomptés sont toujours réussis lorsque votre Sims a une énergie magique normale. En cas d'énergie forte ou excessive, le risque d'échec est largement réduit. Malice maîtrisée, les potions et sorts malicieux sont toujours réussis. Je sais pas. Ça va très bien Bérangère, merci. Avantages pratiques, les potions et sorts pratiques sont toujours réussis lorsque votre Sims a une énergie normale. Bon appétit, Rosie. Oui, il y a un sort pour les repas, mais je sais plus le nom. Bah, je sais pas. Je sais pas quoi prendre. Décharge. Votre Sims peut désormais utiliser le sort décharge qui évite l'énergie magique. Blender intégré, vitesse de préparation des potions qui augmente. Apprentissage théorique. Pouah. Bah, je vais prendre ça, en vrai. Et ça, c'est quoi? La vitesse des recherches, des expériences et de lecture est largement augmentée. Ouais, ça va mieux mes dents, ouais. Je crois que je vais prendre l'avantage pratique. Allez, je vais prendre ces deux-là. Hello, Karma, comment ça va? Comment ça va couper des têtes? Pourquoi vous dites ça? C'est délicioso. Ah, bah écoutez, il va falloir qu'on la prenne, hein. De toute façon, là, je la fais réviser à fond, je vous dis. Il faut qu'on arrive. On est à combien, nous? On est à ce niveau-là. On est adepte et il nous reste, du coup, maîtresse et virtuose. Ah, ils sont revenus de l'école. Parfait. Comment ça s'est passé, l'école, les gars? A de moyenne. Parfait. Et lui, il a B de moyenne. Ok. Salut Elodie, ça va et toi? Je t'ai fait un dessin, tu veux le voir? Ouais, ça veut dire qu'il va venir à la maison. Nous allons du coup ensuite cuisiner, on va préparer un gâteau. On en est où là?
Ah, on peut pas? Faut qu'on fasse des courses. Oh, il nous faut chocobé ou coulis de chocolat et des œufs. Oh non. Oh non, my god. Je ne peux pas faire de gâteau. Je suis très très triste. Vivement qu'on change de saison là, que je m'enlève un défi de terrain. Mettre un déjeuner, non. Ah, j'ai pas vu. Commander une livraison. Livraison de course. Donc, il nous faut... Bah, on va prendre la farine. Il nous faut du... Oh, il y a des fruits à épines et du fruit du dragon, mais ça coûte trop cher. Il nous faut du chocolat. Où c'est que je vais trouver du chocolat, moi? Il n'y a pas de chocolat. Il nous faut des œufs. Mais je peux pas faire du chocolat. Je sais pas quoi faire, en fait. Oh non. Oh non. Je n'ai jamais fait les courses grâce à Motherload. Eh, mais c'est trop facile, du coup, hein. Je vais prendre de la framboise ou de la fraise. Ah, peut-être la fraise, parce qu'on peut faire des gâteaux à la fraise, il me semble. Et j'ai plus de thunes. Voilà. Yes! Je suis nouvelle et j'ai jamais vu une si bonne ambiance dans un live. Merci, Newt. Ouais, elle est toujours enragée, mais elle est relou de fou. Je t'adore, je te suis sur YouTube et TikTok. Merci beaucoup, c'est gentil de me suivre. T'as fait tes courses ou pas? Merci, Zeratic Cobra, pour ton follow, bienvenue. Arrête. Passe ta commande vite et va te calmer. Hein. Prends des chocobets pour le chocolat, il me semble. Mais on n'avait pas les chocobets qu'il fallait, non? Attendez, je vais la calmer avec le mode extrême violence. Calme-toi. Se calmer. Arrête d'engueuler ta fille. Oh, c'est trop, là. Non, mais regardez, j'essaye de la calmer, elle veut pas. Ça va. Calme-toi. Raser. Non, on va pas se raser, on a dit. Prends une douche en buée, vas-y. Prends ta douche. Ah non, on va pas prendre la douche, non. Je vous jure, elle est en crise. Accepte la livraison. Accepte. Ok, on a fait nos devoirs. Et on va les faire grandir, du coup. Toujours vénère. Elle est grave vénère. Elle est toujours en colère. Elle a le sang chaud et tout. C'est trop. Vide le sac de livraison. Et on va se faire un petit gâteau, maintenant. J'espère que je peux, hein. J'espère vraiment. Je peux faire un gâteau blanc. Parfait. Voilà. Peut-on acheter des 6 flouzes? Non, ça ne s'achète pas, ça se cumule au fur et à mesure du live. Tu peux faire le point d'exclamation PTS, t'auras ta réponse. Tout à l'heure, j'ai décidé de recommencer mes 17 heures de jeu de Sims car c'était le bordel. Oula, t'étais motivée alors. Hein. Bonne ambiance dans la famille Fion. Ah mais les enfants, ça va en soi. Hein. Jette ça. Et fais ton gâteau. Ok, c'est cool. On va les faire grandir, j'ai hâte. Mais mets ça dans la poubelle! Maëlys, merci pour les besoins, ça c'est cool ça. Ça tu me fais plaisir. Altérer les besoins, satisfaire le besoin du monde. Et merci Tinali pour ton follow, bienvenue. Ok, ne touche pas. Tu vas... Hein, on peut pas? Pourquoi? C'est pas centré? Là ça sera centré, ok, un millimètre près quoi. Allez, on va s'organiser une petite fête d'anniversaire. Non, Kit Kat, t'es sérieuse, ton handicap là. Oh non. Ok, attends. Organiser un événement social. Je vais organiser leur anniversaire quand même. Oh non, mais c'est trop. C'est trop. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. Si jamais vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien qui est en bio. On est en live là-bas et ça me ferait très plaisir de vous accueillir. Très, très, très dans ce bordel-là. Oh, c'est où, fête d'anniversaire? Je vois rien. Là. Et ben pourquoi? Vous n'avez pas d'argent pour commencer cet événement. Ça te troue le fion. Tu me fatigues. Salut fan de Sims. Bon, je ne peux même pas organiser de fête d'anniversaire because j'ai 37 Simflouz. Et si j'enlève? D'accord, je vais me faire voir. Non mais on va aller se faire voir, il n'y a pas de problème. Bon, on va tourner la roue du handicap. Merci pour ça, ça me débecte fortement. Ah, elle me fait mal aux oreilles à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais stop. Stop. Ok, on doit dormir dehors. J'ai même pas de quoi m'acheter une tente! Je dois dormir dehors pendant tout l'épisode, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je vais rejoindre un groupe. C'est quoi? Ouais, grave, allez. On va mettre Sergio, on va mettre Salim, on va mettre Vladimir Gothic, on va mettre qui dans le groupe là? Il nous faut des potes, hein. Vas-y. Bah Vlad, hein, c'était notre pote en vrai. Commence une réunion. Genre, on a invité des gens à l'anniversaire. Céline aime les buissons. Mais c'est ça. C'est ça, en fait. Super. Qu'est-ce que... Discuter. Direct. Direct, on discute. Allez, ils sont arrivés. Y a le père, du coup, de nos enfants. C'est lui. On n'est plus en couple avec. Allez, venez, les petits potes.
Ah ouais, mais il vient direct parler et tout. Allez, on va faire grandir du coup les enfants en ado, j'adore. Souffle tes bougies. Vas-y, et ça, dans la poubelle. Pardon. Pardon pour l'écran, j'ai oublié. C'est bon. Vous avez rien raté, ils sont juste arrivés. Oh là, elle est devenue enjôleuse directe. Oh, c'est bon, il a grandi. 1, 2, 3. Il sera paresseux. Ok, vous voulez qu'on demande à Siri de choisir? Ou pas? Il y en a 15, il me semble. 15 ou 16? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Dis Siri, choisis un nombre entre 1 et 16. Il a choisi le 9. Je sais pas pourquoi il l'a pas dit à l'oral. Il a choisi le 9. 1, 6, 7, 8, 9. Ok. Dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et 6. La réponse est 2. Sims originaire de la ville, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Oh, regardez comme il a grandi. Un gros mot égale un gage. C'est quoi mon gage? Ok. Ok. Oh my god. Oh my god. Ça marche. Ça marche. Ajoute des bougies d'anniversaire, mon petit pote, pour ta sœur, là. Le gage, c'est que tu enlèves le handicap. Bon, c'est pas un gage. C'est trop facile. Je te demande un autre gage. Souffle les bougies, toi. Il est toujours aussi laid. Ah, bah là, c'est sûr qu'il est laid, hein. Ça sent les 30 ans. Pourquoi? Lewis, à l'époque de MSN, aurait été trop bien pour l'interpeller. De fou, j'avoue. Ou le petit toc-toc, là, sur le Wiz, tu sais. Merci pour le 5e mois, Megamineko. Merci beaucoup. On dirait un avatar, je te jure. Allez, grandis. Oh là là. 1, 2, 3. Elle sera bien élevée. Quelle belle éducation. Alil, merci pour le follow. Bienvenue. Alili, pardon. Merci. Tu chantes. Je dois chanter, c'est ça mon gage, si je dis un gros mot? Ok. Dis Siri, choisis un nombre entre 1 et 16. Ça fait 3. Créativité. Dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et 6. La réponse est 6. Ok, auteur de best-seller, la meuf. Auteur de best-seller. Ok, le gage, c'est tu dois déclencher une bagarre. D'accord, je prends le gage, je dois déclencher une bagarre. Ça commence dans 3, 2, 1. Je n'ai plus le droit de dire de gros mots pendant 5 minutes. Alors? Elle a les boobies de sa maman. et bonjour, je parle très peu en général, mais là, mais comment est-ce possible? Salut à toi, Fréa, bienvenue à toi dans le chat. Moche, mais mieux que son frère. Oui, allez, on est... vous voulez qu'on fasse le relooking tout de suite ou pas? Elle a des tchouches, mon pote. Elle a des tchouches. Allez, modifie la famille dans CS direct. Moi, je vais pas perdre de temps. Je vais pas perdre de temps. C'est... Ah, ouais. Mais attends, son aso, elle l'a d'où, là? Ah ouais, c'est le nez de sa mère, hein? Ça, c'est sa mère, pour rappel. Je sais pas lequel des deux est le plus moche. De toute façon, c'est Troufion qui doit passer en génération. Ah, le look. Le plus gros problème, c'est son frère. La peau violette, sinon son visage est plutôt homogène. Écoute, en vrai, le frère, il s'en sort pas si mal en grandissant. Regardez. On dirait Thanos. On dirait grave Thanos. Non, vous trouvez pas? C'est Thanos, le mec. Et il est en claquette. Thanos ou Bogdanov. Ok, bon. Je vais commencer par la relooker elle. Donc, ce sera notre future génération. On va commencer à bien la gérer tout. Waouh. Ok, ok, il n'y a pas de souci. C'est son moment, là. Après, le truc qui est cool, c'est qu'on s'est quand même débarrassé de la couleur de peau. Et donc, pour les prochaines, ça va être très sympa. Mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu m'as mis une frange sur la teuté, là? Coucou, I Love Sims 4. Pourquoi t'as fait ça, genre? C'est pas normal.
J'en peux plus, oh my god. Ouais, elle était... On est d'accord que pour dire qu'elle était quand même beaucoup plus mignonne quand elle était plus jeune. Elle était largement plus jolie quand elle était plus petite. Même Bambin, elle était belle. Déjà, on se disait, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça et tout? What? Mais non, non. Adolescente, c'est un peu compliqué. Mais mine de rien, vous imaginez, ça, c'est la deuxième génération. On passe quand même de ça à ça, hein. C'est pas si mal. On s'en sort pas trop mal pour une deuxième génération. Franchement, soyez honnête. Sachant que je ne mets pas de CC ni rien. Par contre, elle est toute petite de taille, comme sa mère. Je vais lui enlever ça. Ah ouais. Elle est très brune, je vais lui changer ses sourcils. C'est le seul truc, au moins. Genre, je vais lui mettre des sourcils comme ça, hein. Les oreilles d'elfe et tout. Non, en vrai, ça passe. Ça passe. On va donc... je vais pas lui mettre de CC. Je vais juste lui rajouter des beaux cils. Je pense que pour que ce soit un peu cohérent, je vais lui mettre les mêmes cils que sa mère. Genre, sa mère, elle a cela. Non, c'est pas ça. Sa mère, elle a cela. Je pense que je vais faire pareil, quand même. Comme ça, c'est cool. Et on va mettre des contenus personnalisés. Alors, j'ai dit que pour ce let's play-là, je ne ferai pas de contenu personnalisé Maxis Match. Alpha. Du coup, je vais rester sur du Maxis Match parce que j'ai envie de changer. Le visage, c'est la photocopie de sa mère. De ouf. Qu'est-ce qu'on lui met comme coupe de cheveux? Je crois que la frange sur elle, c'est joli. Sinon, j'ai ça aussi. Elle avait les cheveux bouclés, elle, non? Les gars, faites gaffe aux majuscules. Vous écrivez trop en majuscules, là. N'oubliez pas que les modos peuvent supprimer vos messages et sanctionner, hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmez ça. Calmez les majuscules à répétition. Je regarde plus tes lives ici. Dès que je mets un message, ça me banne, j'en ai marre, je peux rien dire. Emma, en vrai de vrai, si t'as plus envie de regarder mes lives, il n'y a pas de problème. Tu peux passer ton chemin sans souci. Parce que le problème, c'est que tu ne respectes pas les règles du chat. Et si tu as du mal à comprendre ça, bah en effet, je t'invite à aller sur un autre live. Merci de ta compréhension. Voilà. Boucle les cours, ça lui irait bien. Ouais, je pense quand même. Elle fait peur. Pourquoi désolé, Ange? Ah, pour les majuscules, ouais, faites gaffe, ouais. Une coiffure bouffante, ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa, oui, en effet. Je sais pas. C'est bon, j'ai fini! Les lèvres de Maeva Guénam. C'est bon, je peux dire des gros mots. C'est fini. C'est fini, c'est fini. En fait, la meuf, c'est Cléopâtre avec son pif. Il te faut combien de générations? 5. J'aimais bien... Alors, attendez, je vais chercher... Ça, c'est joli sur elle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien ça sur elle. Franchement. C'est pas mal, hein? C'est cool. Je sais pas, je trouve ça joli. Ouais, vous avez l'air de d'aimer. Allez, ok, ça va. Je vais pas la maquiller parce que c'est compliqué. Salut Gwen, comment tu vas? Elle est cool. Je préfère lisse. Moi, je trouve que ça lui va bien, franchement. Comment je l'habille, par contre? Oh, je sais pas du tout. Elona ta chouille, bienvenue à toi. C'est quoi les conditions de génération beauté? Il y a des packs à avoir. Le pack saison, mais franchement, je pense pas que ce soit un truc qui t'empêche vraiment de jouer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? Est-ce que je le lui mets... Je vais pas partir trop dans mon délire, what the fuck, de... Oh, les boobs. Ouais, moi j'aime bien boucler aussi sur elle. Ah, les boobies, ça va pas du tout. J'aimerais bien voir une tenue avec le pack année lycée. Ah non, mais c'est terrible ça par contre. Attendez, je vais filtrer avec le pack année lycée. J'aime beaucoup. Et ouais, vous avez vu, j'ai changé là. Je n'ai pas envie d'utiliser trop de contenu personnalisé alpha. J'ai changé. Oh là là, quel enfer! Mais quel enfer! Mon Dieu. Après, je peux quand même lui mettre une tenue what the fuck, hein. C'est pas dérangeant ça. Ça, c'est mignon! Ça fait grave ado. La salopette, ouais, elle était pas mal, c'est vrai. Je sais pas quoi lui mettre. Oh, il y a ça, sinon! Quel enfer. Je vous jure, c'est un enfer, par contre. Ça, c'est Mims. Oh, ça, c'est Mims! On dirait qu'elle a des ballons de fou. De fou, de fou. Pour le pantalon, je vais mettre un jean en CC. Que j'ai déjà. Je pense que je vais lui mettre ça. En bleu foncé. Elle est juste ado. Ouais, elle est juste ado. Franchement, oufissime.
On va lui mettre ses petites baskets. Regardez la taille de ses pieds, c'est nimpe. Ah, celle-là, j'aime mieux, peut-être. Oh, elle a des pieds. C'est n'importe quoi. On va lui mettre... elles sont trop hautes, ces chaussettes. Vas-y, en blanc. J'aime trop le haut. Il est cool, hein, le haut. Non, mais Emma, si en plus tu viens sur TikTok pour râler, c'est pas dès que tu dis quelque chose... En fait, il y a des gens, je crois que vous comprenez pas. C'est pas... C'est arrêter de vous victimiser, parce que là, ça m'énerve, en mode... Ah, mais dès que je dis quelque chose, on me banne. Non. Les modos, ils vous bannent pas dès que vous disiez quelque chose, dès que vous êtes en train de dire quelque chose, c'est pas du tout vrai. On vous banne, ou on vous tempo, ou on supprime vos messages, parce que vous ne respectez pas les règles du chat. Quand vous arrivez pour la première fois sur le live, et de n'importe qui, vous avez des règles du chat. Là, en l'occurrence, c'est pas de spam, donc envoyez 46 000 fois le même message, ce que tu as fait. Je suis désolée, pas écrire en majuscule, arrêter de spammer, arrêter de râler, et en plus, tu as un peu manqué de respect à mes modos, donc oui, tu as été ban, et en plus, tu viens, tu fais des remarques, bah non, je suis désolée. À un moment donné, je veux bien qu'on soit sympa et tout, mais faut pas se foutre de la gueule des gens. C'est bon. Excusez-moi, je râle. Ça m'énerve. Ouais, Karel, c'est bon, ça m'a saoulé. J'ai regardé tes vidéos pour les CC et les mods, mais j'arrive toujours pas à les mettre sur les Sims. Comment ça? Tu peux venir le dire sur le Discord si jamais t'as besoin. Vraiment. Le Discord, des fois, si jamais t'as des problèmes et tout, n'hésite pas à venir dessus. Et peut-être que les gens vont pouvoir t'aider. Peux-tu nous partager le mode pour les Sims dans le CUET qui ne bouge pas? Faudrait que je me rappelle du nom, je le ferai à l'occasion. Mais je pensais faire une vidéo YouTube sur le sujet. Les gars, dans le chat, par contre, faites pas des remarques comme ça, c'est pas correct. S'il vous plaît. Même si vous le pensez, ce que vous voulez, moi je veux quand même qu'on reste sur un stream bienveillant et sympa. Donc ce genre de remarques, vraiment ne faites pas ça. C'est pas correct. Peu importe que vous ayez raison ou pas, ça ne se fait pas. Alors, salut Zatipok, comment ça va? Ça c'est beau. Ouais. Mais pas en blanc. En vert? Mouais, bof. Je sais pas trop comment l'habiller, cette dame. Ben, je vais pas la mettre en talon. Ça va avec ses yeux, c'est ça. Je vais lui mettre des converses, hein. C'est un coup à apprendre l'installation des mods, les tutos vous expliquent bien. Mais oui, moi j'ai fait des tutos si jamais sur YouTube. Si vous voulez aller voir ma chaîne. Mettre ça. C'est un peu trop lisse, je trouve. Comment ça, lisse? Alors, tenue de sport. Tenue de sport. On pourrait lui mettre ça. Grave, j'aime bien. Oh, cette couleur. Coucou Nineo, comment ça va? Bah, il n'y a rien sur sa tenue, genre... Mais parce qu'on s'en fout un peu, j'avoue, de la tenue aussi. Hein. Je vais pas te mentir. On s'en fiche légèrement. Pour ma part. Oula, oula mes yeux. Oh, elle est atroce. Elle est atroce. Mais après, j'ai pas non plus envie de faire que des looks what the fuck, tu vois. J'ai pas forcément envie de faire que des looks what the fuck. Le but, c'est qu'ils deviennent beaux au bout d'un moment. Donc on essaye de faire des tenues sympas. Tu vois. Qu'est-ce qu'on peut mettre? J'aime bien ça. En bleu. Oh non, mais le soutif et tout. Je pense que je vais mettre ça plutôt. Oh là là. En bleu comme ça. Cool. Ressissou être le 16 mars pour le pack grandir ensemble. Ouais, moi aussi, carrément. Hop. Petite chaussette. Ouais, elles sont cool, celles-là. Pas mal, ok. Tenue de fête. On peut lui mettre ça. Par contre, il y a un truc qui bug. C'est quoi? C'est du maquillage? Oula. Ah oui, non, c'est ça, là. Ok. Ça peut être sympa. Je parle jamais dans le chat, mais je voulais remercier Claire qui m'a offert un sub. Comment tu vas? Bienvenue à toi ici. Merci Maïté. Merci, merci, merci. C'est gentil pour les roses et tout. C'est cool ça. J'aime bien. Tu as un point d'exclamation prog. Un prog pourquoi? Un programme pourquoi? J'ai le planning. Oh, la jupe déchirée, c'est dégueulasse. Par contre, ce jean là. Coucou Nourang Grish. Bienvenue à toi. Ça va et toi? Tac. Attendez, je regarde juste un truc. On est bon. Ouais, la mise à jour gratuite, c'est ça. C'est le 14 et le pack, c'est le 16.
C'est pas très... J'aime pas trop tout ça, là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit jean classique? Oh, celui-là. Ah, celui-là pourrait être cool, ouais. J'aime bien le fait qu'il y ait des graffitis dessus. Ouais. Moi, j'attends la nouvelle mage gratuite avec impatience. Carrément. Pareil. Pareil que vous, ici. Est-ce que je changerai pas de couleur? J'aime bien le vert fluo. Bonne soirée, Barquette. Des bisous. J'aime bien. Les Converse, c'est pas beau sur elle. Hein. Bonne soirée, Léana. Comme ça, les Mims. Ça lui va bien. Ouais, c'est basique. On va mettre des chaussettes, genre. Et je vais lui mettre, du coup, ses petits ongles, juste là. Ouais, c'est cool. Ça va trop bien avec ses yeux. Bon, je l'ai pas maquillée, hein. J'avoue que c'est pas... J'ai pas maquillée. Qu'est-ce qu'on met? Je pense que je vais lui mettre ça. En bleu marine. On va lui mettre aussi un petit chapeau ou une casquette, tiens. Ah, la casquette, ça peut être cool. Grave stylé. On la met de quelle couleur? Je sais pas. Bizarre un peu. La couleur de ses yeux? Je sais pas. Je pense que je vais la laisser bleu marine. Ça va être bien. Et il y a carrément les oreilles qui dépassent de la casquette. On le notera. On va lui mettre des lunettes de soleil. Est-ce que j'ai mes lunettes de soleil? Qu'est-ce qu'on met? Lui mettre... Oh mon dieu. Pas du tout. Je vais enlever maillot de bain. J'en ai d'autres. Ah, il y a celle-là. Oh, c'est infâme. Je vais lui mettre. Ça touche même pas son nez. Merci Mimi pour le follow, bienvenue. Alors les piercings et tout, elle est ado, donc je vais pas toucher pour l'instant, mais je pense que je vais faire ça. Par contre, je vais lui rajouter des poils, non? Ou elle en a pas? Elle en a pas, hein. Après, si la pousse des poils est activée dans tous les cas, en lévitation, c'est ça? Ça touche pas? Ça, c'est cool, ça. Merci Dodo5 pour le follow, bienvenue. Oh, les boobies qu'elle a! Elle a des boobies, hein, de fou. Je crois que je vais lui mettre ça. Ou alors ça. Ça, peut-être. Je pense que je vais plutôt mettre ça. C'est trop un perso de WoW. De WoW World of Warcraft. Je vais y arriver à l'ouvrir, ma bouche. Coucou, je viens de TikTok. Comment tu vas, Mimi? Merci d'être là, c'est gentil. C'est gentil d'être venu me voir ici. Même pas arrivée à l'âge adulte qu'elle sera courbée comme une mamie, la pauvre. La pauvre. C'est vrai. C'est vrai que ça va être compliqué pour elle, je pense. Mais en même temps, on s'en sort bien par rapport au début. Je trouve. Qu'est-ce qu'on met? J'aurais bien vu un short pour cette demoiselle. Un petit short. Qu'est-ce qu'on aurait là? Attends. Short. Je l'imagine pas du tout en robe ou quoi, elle. Vraiment pas. Ça, ça pourrait être joli, mais pas de cette couleur. Sinon, il y a lui. Trop... Non, trop bizarre. Celui-là, j'aime bien sur elle. Fais voir celui-là. Ah. Alors, j'aime bien ce short, mais pas avec ce haut. T'as que... Quelle appli pour faire des vidéos et streamer? Quelle appli? Pour faire des vidéos et streamer, j'utilise Streamlabs OBS. Principalement. Et d'autres applications qui me permettent de tourner mes vidéos, etc. On va lui mettre des Vans. Non, je vais pas lui mettre ça. Je vais lui mettre... Oh, je vais lui mettre des claquettes, nounours. Le nez de Tassim, c'est une planche de surf, je te jure, la pauvre. Ouais, c'est dur pour elle, hein. C'est comme ça, hein. Ça refait sortir ses yeux. C'est vrai que le vert lui va très bien, en fait, hein. Moi, je voulais que sa couleur soit le bleu de base, mais non, ce sera du vert. Ok. Et en tenue de temps froid, je reviens... S'ils sont en relooking, ça aurait presque pu me surprendre. Mais c'est normal, ils sont devenus ados maintenant. Ça y est. J'aime bien ça. J'aime bien cette tenue de temps froid, pas vous. Je la trouve très cool. Sinon, qu'est-ce que j'ai en contenu? Alors non, pas du tout. Catégorie, c'est les packs que je veux. Année lycée, on a quoi? On a ça. En vrai, ça lui va bien aussi. Vous préférez laquelle des deux? Vous préférez celle-ci ou celle d'avant? Ça fait presque pyjama. Mais est-ce que ça me choque? Franchement, pas trop, hein.
La première, celle d'avant, celle d'avant, celle d'avant, celle d'avant. Vous préférez celle-là? Ok. Alors, quelle couleur on va lui mettre? Une couleur qui lui va bien. Le orange, c'est trop stylé. Ou le jaune. Tu joues quand à Disney Dreamlight Valley? Sûrement pendant mon sabaton le 11 mars. Sinon, après, j'ai cette salopette aussi. Vous aviez bien aimé la salopette tout à l'heure. Non, en vrai, j'aime mieux ça. Je vais la laisser en jaune. Ça en jaune, c'est cool. Odé, merci beaucoup pour ton deuxième mois. Merci, merci beaucoup, c'est adorable. Merci. Ok. Hop, vernis. Yes, les Pikachu. On va se mettre un petit bonnet, non? Ça pourrait être cool, un petit bonnet, là. Oula, la tête de con qu'elle a. Clarisse, merci pour ton follow, bienvenue. Et merci de m'avoir suivi sur TikTok, les gars. Un bob. Oh, attends. On lui met un bonnet, on lui met un bob pour la tenue d'été. On la personnalise un petit peu plus, tu vois. Je pense que je vais plutôt mettre ce bonnet-là en beige, comme ça. Ok, j'apprécie. Et un bob, là. Comme ça. C'est what the fuck, mais c'est drôle. Non, celui-là, il est beau aussi. Elle est sacrée miche. Elle a les miches de sa mère, hein. Je vous le dis. Elle a carrément les miches de sa mère. Est-ce que je mettrais pas ça plutôt? Non, je préférais avant. Comme ça, comme ça. Grave bien. Tenue quotidienne, on est comme ça. Est-ce que... on n'aurait pas un petit serre-tête, un truc cool? J'aime bien, je trouve, qu'elle a des trucs... c'est mignon sur sa tête, en fait. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Qu'est-ce que... ça? C'est pas... non, c'est pas... c'est pas si stylé, en fait, pour elle. Je trouve pas que ça aille. Ah, la petite pince, elle est un peu bizarre, hein. C'est dommage. Sinon, j'ai une casquette Van Dutch. La casquette Van Dutch est cool. On pourrait la lui mettre ici. Elle est où, ma casquette? Attendez, 30 secondes. La casquette Van Dutch, s'il vous plaît. Bah, elle est où? Je l'ai passée, je suis sûre que je ne l'ai pas vue encore. Là. En rose. Mais grave. Ils vont craquer pour la tenue d'été. Il y a quand même du mieux par rapport à la maman. Je pense que ces enfants ont une chance d'être déjà Mims. Oui, bah c'est le but, hein, du jeu. Merci Jadou, comment tu vas? Et merci WS Sassou pour ton follow, bienvenue. Une banane, ça lui irait bien. J'en ai pas, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, voici donc Troufion en tenue quotidienne, en tenue habillée, en mode basique, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en tenue de temps chaud et en tenue de temps froid. Et j'aimerais bien, juste pour la tenue quotidienne, lui rajouter des petites boucles d'oreilles. Est-ce que tu vas lui faire des enfants ados? Alors je m'étais dit que vu qu'on est en vie courte, ce serait bien de commencer en mode jeune adulte, ça pourrait être plus sympa. Pour pas trop aller trop vite non plus. C'est mignon les petites fraises là. Grave. C'est mignon la petite fraise. Est-ce que j'ai pas autre chose encore? Ça. Oh oui, ça va très bien avec le reste en vert. Mais carrément. Et une autre petite boucle juste là. J'espère fort que ces enfants seront magnifiques. Magnifiques. Et la petite fraise là comme ça. Parfait. T'es un crissou. Merci Nono, t'es mignonne. Elle est stylée. Elle est sympa. Voici François qui va mourir quand il sera jeune adulte, hein. Donc le relooking, hein, j'ai envie de te dire, ça va aller très très vite. Au niveau de sa goule, je... je sais pas quoi vous dire. C'est trop grave. Je vais lui mettre des cils comme ça. Oh là là, mais il a l'air choqué. Je vais lui enlever... fais voir tes dents, toi, mon petit pote, là. C'est quoi tes dents? Oula, mec, on va te mettre d'autres dents quand même, on va pas abuser. Lui, c'est un peu moins sympa. Ouais, lui, c'est un peu plus compliqué. Alors, à la base, lui, il a une grosse touffasse avec des cheveux bouclés. Il avait les cheveux un peu comme ça. J'hésite à les lui laisser, honnêtement. Je sais pas trop... J'ai eu si peur.
Pardon. Linéo, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi parmi les perruches, c'est adorable. Merci, merci. Merci, n'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat, s'il vous plaît. Et merci de m'avoir suivi sur TikTok, c'est très gentil. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch si jamais vous voulez venir là-bas. Nous sommes en live sur Twitch, du coup. Et vous avez le lien en bio. J'aimais bien ça sur lui. On dirait un lifting raté. Je vais lui laisser ça. C'est trop. Écoutez, hein. Je vais faire un relooking relativement rapide, hein. Merci Zoror, merde, je sais plus parler moi. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue, je suis abusée comme fille. Je vais lui faire un relooking, t'as compris, hein. T'as compris. Bonjour, je viens d'arriver, j'ai loupé quoi? T'as loupé beaucoup de choses, mais c'est pas grave, tu ne vas pas être perdu. Ne t'inquiète pas, on est en train de relooker les adolescents maintenant. Du Génération Leader. Je rappelle que vous pouvez faire le point d'exclamation Let's Play pour avoir les règles de la revisite du Génération Leader occulte. Parce que les règles ne sont pas celles de... Enfin, il y a beaucoup de règles de base, celles que NS a créées, ça c'est sûr et certain. Mais il y en a certaines qui ont été un peu modifiées, un peu revisitées. Parce que j'aime bien faire ça. Ok, ça c'est bon. Quel enfer. Oh là 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 là, quel enfer, monsieur. On va te mettre... Oh là oh. Franchement, c'est très compliqué, hein. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup trop compliqué. Salut Lina. Ok. Il est moche. Lui, il est moche. Mais je l'aime bien. Il faut être sub pour pouvoir utiliser les commandes sonores. La tête est pas proportionnelle par rapport au corps. Et ouais, je sais. Oh, c'est cool ça. Mais c'est trop cool ce haut. Et merci Elisa pour ton follow, bienvenue. Le challenge, c'est le Génération Leader. Attendez, je vais enlever Agnelissé, c'est quoi? Il est trop cool ce haut-là, je vais le laisser. Eh, je te jure, c'est le Thanos du bled, le mec. C'est Thanos du bled, je vous promets. Je vais mettre un jog à l'arrache, là. Parce que si je mets ça... Non, c'est chelou un peu. Voilà, c'est grave chelou. Ça? Ouais, basketteur professionnel, hein. Y a rien qui va avec. Ça? Oh, il est... En fait, lui, je l'arrange pas du tout. Il est pas beau. Ça fait longtemps, j'étais occupée pendant les heures de live, mais je regarde tes vidéos YouTube maintenant, je suis de retour pour tes lives. Merci Azerty, comment ça va? Voilà, hein, et ciao. Thanos Montana. Allez. Tiens, en jaune. Le jaune et le violet, ça ressort très bien, ça me va. Tenue de fête. Ah ouais, lui, il a fait tomber la chemise et tout, hein. Vraiment. Ouais, ouais, c'est compliqué, hein. Vas-y, on va lui mettre quand même un petit costard sympa. Tout noir. Eh. Oh, les chaussettes. Je vais les lui laisser. Quel enfer. Vas-y, vas-y. Je vais te laisser tes chaussettes. Je vais même mettre des converses. En mode, tu sors dans cet état, tu vois. Je vais enlever ça. Et ça m'a enlevé les chaussettes. Mince. C'est celle-là. Garde. Parfait. Merveilleux. Tenue de maillot de bain. Il est tellement hideux que même les habits veulent pas de lui. Oh, c'est si méchant. Des Vans. Tiens, on va mettre ça. Tenue de temps chaud. Tenue de temps chaud, mister. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre? Ce t-shirt? Ouais. Un petit t-shirt, là. Oh, violet sur violet. On risque pas d'y arriver, hein. Celui-là? Ouais. Voilà, il y a même celui-là. Ah, celui-là, il est cool. Il est un peu large et tout. Est-ce que ce bleu-là ressort bien avec sa couleur de peau, du coup? J'adore. On le prépare pour mourir. Il va mourir quand il sera jeune adulte, ouais. Le pauvre. Faut qu'on choisisse qui l'on fait sur lui. Comment on le tue? Le pauvre. Il va tellement dead. Tellement. Et on va lui mettre des Vans blanches. Et je vous jure, il est en mode je m'en tape. On dirait... on dirait le mec, il est en mode je m'en balèque. Vraiment. Tenue de temps froid. Le style est mort. Arrêtez, ça va. En vrai, ça aurait pu être grave pire, hein. Je crois que je vais lui mettre ça en haut. En bleu foncé, c'est joli sur lui. Et jean noir. Je suis pas fan. Je suis pas fan, hein. J'aime bien ça, bizarrement. Un Sims paresseux. Il est paresseux, hein. Mais ça, vous trouvez pas que ça lui ressemble bien? Je sais pas, du coup. Je trouve que ça fait cliché un peu, hein. Je viens de voir que j'ai un abonnement de KitKat. Je voulais dire merci beaucoup. C'est gentil.
Zouk Machine. On va lui mettre un bonnet. Il a un look Lacoste. Lacostéenne. Un peu. On va lui mettre un petit bonnet. Waouh, la teuté, je te jure. Comme ça, là. Ouais. Tacostéenne. Je te jure, au début, j'ai lu tacos, moi aussi. On pourrait même lui mettre des lunettes, si on voulait. Il avait des lunettes de vue à la base, hein, les amis. Hein. On lui met pas? On devrait lui mettre, hein. Des petites lunettes de vue, là. Quand même. À la base, le mec... il a des lunettes, quoi. Vas-y, dodo, on met pas. Ça, on met. Maillot de bain, ce qu'on pourrait faire, à la limite... Regarde sa tête de con. Il me fait rire. On va lui mettre ça. En blanc, en plus, ça ressort bien. Là. Non, mais regarde-le. Regarde Thanos. Regarde Thanos. Je l'ai appelé Thanos. Hein. Regarde François. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous me mettez des chiffres, des nombres, là. Hello, TikTok. Merci de m'avoir suivi. Vous êtes trop chaud. La méduse. Je me demande pourquoi j'avais un petit oiseau. C'est quand t'es sub. Alors, du coup... François Fillon en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en tenue de temps chaud et en tenue de temps froid. Et je vais le prendre en photo. Hop. Il est très grand lui par contre, on est d'accord, il est super grand. Et je rappelle, Troufion, la future génération, que je vais prendre en photo également. Oh, elle est si petite. Elle est tellement petite. Elle est belle. Allez, on valide. Moi, je trouve qu'il a un petit côté rasta qui le rend mimes. Ouais, c'est vrai. Il a un côté un peu hipster. Hippie hipster. C'est mignon, ouais. Moi, j'aime bien. Merci, Lana Banana, pour le follow. Bienvenue. Ils font la paire. Ils sont beaux. Ok, on va sauvegarder. Surtout sauvegarder. Surtout, surtout. Elle est tellement belle que la prochaine génération sera moins belle qu'elle. Non, je pense pas, Asia. Elle est belle pour un génération leader, deuxième génération. Elle est très belle. Bonjour! C'est toi qui sème la pagaille? Oui, je sème toutes les pagailles du monde. Allez, on va... on peut appeler à table ou pas? Appel à table, que tout le monde puisse venir manger. Mais non, mais... Mais pourquoi? Salut Lana. Mais pourquoi vous êtes mis dans cet état? Pourquoi faire? Oh, on se calme. J'ai pas demandé ça, moi. Ah, mais parce qu'ils se battent dans mon groupe. Bah oui. Bah, non, mais je te promets, c'est trop. Eh, calmez-vous, les bolosses, hein. D'ailleurs, en parlant de se calmer, est-ce que vous pouvez me filer de l'argent, les potes? Vlad, tu te calmes? Non, mais... Vlad! Arrête, amical. Sinon, je vais te brûler, hein. Le comble pour un vampire, hein. Je te le dis, moi. Se plaindre, t'as un peu d'argent. Hello, Ashley. Ashley Sticks, comment ça va? Je vais bien, moi, merci, ouais. Ouh, il m'a donné 393 simflouz. Non, mais je vous jure. Le mec est beaucoup trop généreux. Alors, les enfants, vous allez quand même jeter tout ça. Voilà. Est-ce que... Alors, je rappelle quand même que... J'allais l'appeler Thanos. François ne s'entend... Oh non, Sergio et Vlad, ils se battent maintenant. Je suis fatiguée. Arrêtez de vous battre! Mais calmez-vous. Oh, oh, la violence, mais stop! Mais c'est quoi cet anniversaire de merde, là? Vous avez pas honte de faire ça? Eh! Sergio, toujours Sergio qui fout la merde aussi. Eh! Méchant, je vais lui hurler dessus. En mode, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez de vous détester comme ça. Et François, il déteste son père, pour info. Je pense qu'il va le défoncer, son père. Merci, Capurple25, pour ton follow. Bienvenue. Méchant, tu vas lui dire que tu détestes ton père. C'est l'anniversaire version Wish. Mais c'est ça? Ils sont trop chelous. Arrêtez, hein. Ça suffit maintenant. Un petit crac-crac, là. Un petit crac-crac. Oh non, Wisebot, il est pas content. Vous avez utilisé un mot interdit, je crois. Adressez ses condoléances à Salim. Quoi? Il a perdu quelqu'un, Salim? Oh non, le pauvre. Toutes mes condoléances, avec le temps, ça ira mieux. Courage. Il a perdu qui? Sex Friends, on va lui proposer de faire crac-crac au lit. Un spectacle gratuit. Ouais, un vrai spectacle, hein.
Allez, vous allez vous détendre là. Un petit crac-crac des familles là, parfait. Les enfants, alors toi, vu que tu es déjà devenue quand même adolescente, il va falloir quand même qu'on travaille un petit peu avec toi. Déjà, pour l'argent, on va commencer par des petits boulots. Tu vas te trouver un emploi. Et quand du coup il sera jeune adulte, François, on devra le tuer. Là pour l'instant, on le garde. Mais pourquoi tu continues les enfants? Alors. Mais pourquoi tu continues les enfants alors que tu as le droit à une grossesse? Je continue pas les enfants. Faire crac-crac ne veut pas dire avoir un enfant direct. C'est un accouchement par génération. Influence Sims, maître nageuse. C'est combien de thunes, maître nageuse? 40 balles. Ouvrière, c'est le meilleur. Mais maître nageuse, ça peut être très très drôle. Vas-y, fais ça. J'ai jamais vu une famille aussi désorganisée. Ils sont pas désorganisés. Ils sont un petit peu spéciaux, quoi. Les mots interdits, c'est les gros mots. Ouais. Non, les mots interdits, c'est toi, tu choisis un mot que je dois pas dire pendant 5 minutes. Et un gros mot égale langage, c'est les gros mots. Toi, tu vas te mettre ouvrier. Allez, faites-moi des petits boulots, les refs. Hein. Là, c'est pas possible. Ils sont tous beaux, je veux l'argent. Est-ce que toi, d'ailleurs... Ah, vas-y, vas-y, on va leur demander de l'argent. Amical. Vladimir, tu peux me donner un peu de thunes? Maman, elle en a besoin. T'as un peu d'argent pour moi et... Quoi? Il embrouille sa gosse. Non, mais lui, il est vraiment horrible. Hein. La moitié de François le trouve trop possessif. Mais François n'a pas de moitié, en fait. François est célibataire. Il a même pas 15 ans. 226 Simfous. Cool. On va te demander encore de la thune. Attends, c'était où? Je suis allée trop vite. Je suis allée beaucoup trop vite. T'as un peu d'argent pour moi. Vas-y, donne de l'argent, le père, là. Infâme et indigne. Faut qu'on dorme, d'ailleurs, dehors. Faut pas que j'oublie mon handicap. Est-ce que ça, j'ai besoin d'arroser? Pas du tout. On a reçu 33 simflouz. Et bah vraiment, c'est un rapia. On va aller se faire quand même un test de grossesse pour être sûr que Salim est toujours aussi stérile. Hein, j'ai pas du tout envie de tomber enceinte. De toute façon, si on est enceinte, il va falloir qu'on avorte. On n'a pas le droit d'accoucher. Deux fois. Voilà, elle a quand même le droit d'éprouver un petit peu de plaisir chardel. Salut Arumata, comment ça va? T'es pas enceinte, madame, hein? Non. Ouais, je vous dis, il est pas du tout fertile, monsieur. Tu vas aller prendre une douche, s'il te plaît. Ouais, ça va, Arumata, merci, bien. Bon, rentrez chez vous, là. 23h. Merci d'avoir été là. Mettre fin à la réunion. Cassez-vous, maintenant. Oh, Salim, il m'a mis ça par terre. Non, mais t'abuses, mec. Hein. Ça, tu vas aller jeter. Et ensuite, j'aimerais bien que, du coup, tu vas aller vendre ça. Oh! Mais attendez, il est devenu... Quoi? Stop. Il est sorcier? Pourquoi il a une pierre? Pourquoi il a une pierre comme s'il était sorcier alors qu'il l'est pas? Mais il a volé celle de sa mère, en fait. Mais regardez, il a une pierre. Alors qu'il n'est pas censé en avoir une. Merci Zouzou pour ton follow, bienvenue. C'est un avantage qu'ils soient infertiles. Bah ouais, c'est pour ça qu'on fait crac-crac avec lui, du coup. Mais attendez, pourquoi lui, il a ça? Alors qu'il est même pas sorcier. Elle est sorcière, par contre, et elle l'a. D'accord. J'ai pas trop compris, là. Je vais pas vous mytho, j'ai pas compris. Est-ce que tu pourrais faire tes devoirs, s'il te plaît? Sissou, tu as déjà précommandé le nouveau pack Grandir Ensemble? Non, je l'ai pas précommandé. Mais je vais l'avoir, quoi. Mais je vais l'acheter bientôt, quoi. Si, avec un mode. Oui, avec le mode grossesse, je peux avorter, ouais. Si, si, si. C'est le mode grossesse. Mais pourquoi il met le bonhomme? J'ai pas compris, Zatipok, ta question. J'ai pas compris. Attends, 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 ça. Il faut que ça aille au frigo, là. Ça va périmer. Ça va être sinon une merde, pas possible. Et ça, là-dedans, ça me fait gagner de l'argent. Salut Candy, ouais ça va mieux mes dents, ouais. Salut Zouzou, comment vas-tu? Non mais c'est la réunion ici, je vous jure. Alors vu que toi tu te sens quand même pas trop mal, j'aimerais bien que tu pratiques encore la magie. Pratiquer la magie pratique, voilà, pour gagner des points. Ça reste quand même dans notre challenge. Il faut qu'on fasse ça. Et demain, objectif, on va aller à Sain Maishuno encore avec la guitare pour... gagner de l'argent et devenir célèbre. Je rappelle qu'elle veut devenir célèbre. D'ailleurs même, il faudrait qu'on fasse la peinture. Ça, 80 balles, on vend. Let's go, parfait. Nickel. J'aimerais bien prendre la pierre, là. Salut Anaé, comment ça va? Et merci, je la crevette pour le follow, bienvenue. Coucou sur TikTok, comment allez-vous, les gars? Tu connais la meuse qui fait attends, attends. Mimi, j'ai pas trop compris, là, la vérité. Oh, je vais oublier d'ici la prochaine grossesse, mais le prochain bébé, on peut l'appeler Della. Ça fait délation, mais avec un cheveu sur la langue. Ça pourrait être très drôle, ouais. Après, de toute façon, j'ai dit qu'on ferait pas trop de jeux de mots avec Fion à la fin, parce que c'est trop trop dur, en vrai. Mais on peut donner des prénoms what the fuck. Merci Zouzou, c'est gentil. La couleur préférée de Trou est le noir. Ah, ça c'est bon à savoir, ça. Vas-y, t'as fini tes devoirs, du coup, Bichette?
Il me semble que oui, tu as tout fini. Devoir. Ah, toi, tu vas pas commencer tes devoirs, comment ça? Bon, de toute façon, tu vas mourir, donc est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Je n'en sais rien. Faut qu'on atteigne le niveau 2 dans une compétence. Elle aime bien la recherche et le débat. Eh ben, tu sais quoi, tu vas faire ça. S'entraîner à danser, s'admirer, s'entraîner à faire un discours. Est-ce que le discours, c'est pas le charisme? Moi, je confonds les deux à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Céline a des... Ah, Delicioso, ça y est, on peut faire des super messages. On peut faire des super plats. Ah, c'était le charisme. Mais c'est quoi le débat, alors? S'entraîner à danser, s'admirer. S'entraîner à jouer, non. S'entraîner à débattre, bah oui. Y a plus de respect pour les Sims. On peut faire Delicioso. Du coup, comment on utilise ça? Attendez, faudrait que j'ouvre mon grimoire à un moment donné. Dans ton... Non, tellement grossier. Très drôle. Danton. Pratiquer la magie. Ouvrir le grimoire, s'il te plaît. Donc, on a... magie pratique. On a trouvé Delicioso. Créer un délicieux repas sans ingrédients ni ustensiles. Mais génial, on peut faire de la bouffe comme ça. Donc ça va pas nous coûter de l'argent. À quand les lives Dreamlight Valley? Sûrement pendant mon subathon. On fera du Disney Dreamlight Valley. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps et moi aussi ça me manque d'en faire. Pardon. Non mais après c'est drôle, c'est drôle. Je suis assez d'accord. Allez, continue, continue. Il nous faut des points de talent. Est-ce que vous savez si... Je vais m'acheter un chaudron, je crois. Ça marche, Caminouille. Merci pour le lurk, c'est gentil. Je vais me prendre un chaudron. J'avoue. J'abuse, non, parce que j'ai pas de thune en vrai. C'est où mon magique? C'est là. Il me faut un... De quoi faire des potions. C'est où les... 800 balles, hein. Chaudron. Je vais le mettre dehors. Bah, les lits, ils peuvent dormir dedans, là. Trop belle. Qui? La cimette, elle est magnifique. Je sais que je peux préparer des macaronis avec le chaudron, mais je vais quand même le mettre en bas. Écoutez, voilà, hein. C'est la vie. Je vais le mettre ici en attendant. Faudra qu'on gagne de la thune pour rénover quand même. Est-ce qu'on a des choses à vendre? Pas du tout. Tu peux préparer des macaronis, il faut un mode pour avorter dans les Sims. C'est le mode grossesse, ouais. Sissou, je crois que la pierre, elle est à sa mère, vu que sa mère, elle a pas de pierre. Mais oui, mais j'arrive pas à lui donner, c'est ça le problème. Fais une expérience, ça va lui faire augmenter tout ça. Mais toi, t'as décidé de faire de la guitare. Mais mec, t'as pas fait tes devoirs, tu décides de faire de la guitare. Vraiment, tu mérites de mourir. J'aimerais mettre ça quelque part, mais je peux pas... En fait, je peux pas la faire glisser, c'est ça le problème. C'est ça que je ne comprends pas. Fais tes devoirs. Arrête d'être bête. Et est-ce que toi, t'as atteint le niveau 2? Moi, je veux qu'elle soit bonne élève et tout, qu'elle soit cool, tu vois. Je veux que ma fille soit... Nice. Allez, t'es bientôt au niveau 2, c'est bien. Hello Lille, comment ça va? Dedans, c'est moche, mais le dehors, non. Dedans c'est moche. Quoi? J'ai pas compris, Gabriel. Une vraie hippie, ce gars, entre paresseux et faire de la guitare. Mais c'est ça, il aime faire de la guitare en fait. Mais en même temps je le comprends. C'est beaucoup mieux que de faire ses devoirs. Sissou, la dernière fois on cherchait un prénom qui commence par E et qui est le nom d'un fruit. J'ai trouvé Eric en turc, ça veut dire prune. J'ai cherché pour toi, voilà Lol, si jamais un jour tu as besoin. Ah c'est cool, je savais pas. Eric ça veut dire prune en turc. C'est cool. Le chaudron dehors. Eh ben... Le fait que le chaudron soit dehors ou dedans, ça change un truc? J'ai pas compris. À quoi ils servent les points qu'on a pendant les lives? Ce sont des points de chaîne. C'est bon? Allez. Jour de loterie. Oh, je vais jouer. Joue. C'est où? Je veux la loterie. C'est où là? Vite. C'est pas là. C'est là, divertissement? Pas du tout. C'est où? Là. Joue à la loterie, joue. Je veux gagner 1 million de simflouzes. T'as essayé de faire offrir un cadeau et de lui donner. Non, mais je pense que tu as raison, ça marche. En cadeau, si. Bah, c'est ce qu'on va faire. Céline a couvert une nouvelle recette de potion et l'a mis en bouteille dans un échantillon. Potion de besoin assouvi. Génial. Oh, ça, c'est génial, la potion de besoin assouvi. Cool. Elle est enragée. Merde. Arrête ton expérience. Participe à la loterie. Parfait. Toi, tu vas aller calmer ta mère. C'est vrai que le cadeau, ça pourrait être très, très bien. Je pense que c'est une bonne idée. Offre un cadeau. Parfait. Nickel, vous avez raison. Vas-y, offre-lui la pierre philosophale, là. Tiens, maman. C'est un cadeau pour toi. C'est bon? T'es contente? Ok, on a la pierre. Merveilleux. En attendant, je vais lui demander de se calmer. Extrême violence. Se calmer, madame. Arrête tes conneries, là. Et continue, maintenant. Tu vas faire une toile colérique, si tu veux. Voilà, parfait. Oh non, elle est en effondrement émotionnel. Arrête!
C'est bon, toile confiante. C'est soit avec Délicieuse, tu peux rendre la nourriture gâtée en nourriture mangeable. Trop cool! Trop bien, comment ça, pain au chocolat? Vous faites des débats encore sur le pain au chocolat, la chocolatine? Je sais pas, Pixelis. Envoyez les élèves tout seuls. Allez, tout seuls. Allez, les enfants, on se casse. T'as obtenu le niveau 2, toi, ou pas? Oui, allez, arrête. Arrête ça, vas-y. Si j'achète assez de points de chaîne et je veux me faire créer un Sims, mais je peux, je suis mineur. Faut avoir 16 ans minimum pour se faire créer dans les Sims, les amis. Ils ont grandi. Mais oui, ils sont devenus adolescents. Pourquoi vous parlez de pain au chocolat et tout? Comment ça va ta mâchoire? Ça va mieux, ça va mieux. Les antibiotiques commencent à faire effet et franchement, c'est grave cool, tu vois. C'est grave cool que les antibiotiques fassent effet là. Mes ados, je vous les montrerai tout à l'heure si vous voulez. Attends, attends, attends. Va un collectionneur, continue la célébrité là. Magie, bah non. Ok, toile confiante, super. On en est où des points là? On en est nulle part. C'est où? Attends, quoi? Là. Oh, point de talent, c'est horriblement pas possible quoi. Lui, il est enjôleur. Bah, il va aller se faire des amis. Et j'aimerais bien qu'elle aussi, elle se fasse des amis pour commencer à rencontrer des gens. Merci Eva pour ton follow, bienvenue. Anne Coco qui récupère l'augmentation des besoins des Sims. Merci à toi pour ça. Ouais, on peut avoir les bourses et tout. Altérer les besoins, satisfaire les besoins du monde. J'adore notre Céline nationale quand même. Elle est cool, hein. Elle est cool. D'ailleurs, c'est quand son anniversaire à elle? J'ai regardé les annives. Ah, c'est... Elle devient... Oh, elle devient mamie la semaine prochaine. Je suis trop triste. Je suis beaucoup trop triste, là. Faut quand même qu'elle devienne célèbre. Donc, on va se bouger le fiac. On va aller en centre-ville. T'as fini? Ok, 258 Simfos. Franchement, la peinture, ça gagne, hein. Ça gagne bien, la peinture. Vas-y, vends ça. Cool. Ensuite, tu vas fouiller, voir si tu peux me trouver des choses. Je sais que je vais passer pour une intello, mais de base, c'était pain au chocolat. Mais comme c'est une spécialité autrichienne, le mot autrichien vient du mot boulanger et ils l'ont renommé traduction chocolatine, mais le français a posé problème. Alors là, tu nous apprends quelque chose de fou. Attends, on a quoi? Colorant pied de poule, c'est bizarre. Et potion des besoins assouvis, bah ça je vais garder. Attends, non, ça je vais pas vendre. Ce que je vais faire plutôt, hop, on va désactiver ça, ça va aller là. Et du coup, on va pouvoir jeter les déchets. J'aimerais que tu ailles me mettre... De toute façon, c'est pas en chocolat, les gars. Vous savez qu'il n'y a pas de débat au bout d'un moment. Hein. Ça, on va mettre ça ici. Et on va bouger, on va sortir. Mais en tout cas, l'info, je la connaissais pas. Merci de nous apprendre des choses. Je kiffe, moi, apprendre. Salut, Pris, comment ça va? On va aller à Del Sol Valley. Et on va rencontrer des stars. On va aller au studio, au musée. C'est où qu'on peut se faire grave des poteaux? Bar à cocktail. Ouais, on va aller au bar à cocktail. Mais du pain au chocolat, c'est de la baguette pour moi. Les gars, il n'y a pas de chocolatine. C'est pain au chocolat. Enfin. Salut Rera, comment tu vas? Alors, bonsoir à tous et bienvenue. J'aimerais gratter les corps, s'entraîner, faire du jam. Faire du jam, c'est quoi? Notoriété, allez, vas-y. Elle va faire du jam dans la rue, chez les stars. Oh! Eh, on gagne de l'argent, c'est trop bien. Non mais trop stylé par contre. Le flow qu'elle a. Salut Loïc! Non mais elle a un flow de fou là. Dites pas non. C'est Justin Bieber. Oh, elle joue bien, hein. Je kiffe de fou. Chanter des chansons, bah vas-y, hein, la notoriété, on veut devenir une star, on a dit. On est à combien d'ailleurs? On a une réputation horrible, on kiffe, on est toujours à une étoile. Allez, tu vas chanter? Mais elle joue bien en plus, grave choquée, mais de fou! La pauvre. Mais elle a jamais chanté. Je suis si tristement célèbre que l'un de mes amis sans scrupule a demandé à te rencontrer, puis je lui ai donné ton numéro. Bah vas-y, hein.
Arrête, arrête. Personne n'a plus donné de thunes là. Ah. En fait, faut qu'elle fasse que de la guitare, elle. Allez, Céline. Là, vous avez le droit. Venez, on danse pour elle. Venez, on se hype pour elle dans le chat. On va faire du jam. Et après, on va jouer un morceau. On va faire du rock. Pour mon unique amour, spleen total sur la route. Merci Céline. C'était chiant. Encore. Autre chose. Fais de la musique, allez. Eh, la meuf, elle s'ambiance, hein. Franchement, elle ambiance. Elle est trop stylée, dites pas non. On kiffe. Eh, par contre, il y a personne qui me donne de l'argent, la bande de bolos. Je vais tous vous raser, hein. Il y a personne. Mais je joue pour qui, là? C'est cool. Bon, j'avance. Allez, encore. Allez, le rock, maintenant. Zéro public. Eh, c'est Pat, ça. Donne de l'argent. Franchement, elle a du talent de fou. Dites pas non. Je vais encore jouer un autre morceau. Du blues. Blues du petit restaurant chez Hogan. Il y a des jours comme ça. Allez, on veut devenir célèbre, nous. Il tourne le dos, c'est trop. Il s'en fout. Eh, j'ai l'impression d'être... une merde. Clairement. Allez, encore. Bah, tu l'as déjà faite. Ah, c'était ce morceau-là que t'as joué. Bon, on va faire une autre. Où est mon hamburger? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va troll et qui va mettre « Can I get some burger ?» Ça n'a pas marché. Attendez, peut-être parce que ça... Je sais pas pourquoi mon bot en ce moment, il se désactive tout le temps. Je sais pas pourquoi. Pour une raison obscure, ça ne... Il se désactive. C'est bon, ça marchera là. Alors ? Bah ouais, mais t'es fière de toi, mais en même temps. Genre, quoi? Ah, elle est devenue tendue. Pourquoi t'es tendue? Attends. Refais. Stop. Refais. Un coup. Je vais faire ça, vite fait. Pourquoi tu veux pas? Allez. Gratter la corde pour l'inspiration, s'entraîner, chanter des chansons, faire du jam. Chanter une chanson... Oh là là là, on va pas chanter de chansons. Allez, vas-y. Ça a pas marché, les commandes? C'est que vous avez pris un cooldown quand même, je crois. Je sais pas, je mets un truc au pif. Coucou, petite perruche. Vous êtes cooldowned. C'est pour ça que ça marche pas. Elle a pas trop de guitare, là, dans la main. Madame, il y a un problème, là, dans la matrice, je crois. Où est la guitare? Comment t'as fait? D'accord. Je sais pas comment t'as fait. Y a pas de souci. J'ai quand même gagné un petit peu d'argent, hein. J'ai gagné un peu d'argent. Est-ce que on pourrait rencontrer une célébrité pour être pote avec? Non, y a pas. Bon, écoutez, on va aller commander une boisson. On va commander notre boisson préférée. Il faut qu'elle s'alcoolise un peu. Je crois qu'elle en a besoin. Elle en a largement besoin. Est-ce que vous avez... Y a pas des stars ici là dans ce bar? Oh, y a Sergio. Oh, y a notre ex. Mais purée, mais il me colle celui-là, hein. Elle gagne de l'argent sans la guitare, je te jure, c'est ça. Y a mon ex ici, c'est un peu compliqué, non? Reprendre les clés de la résidence, déjà. C'est vrai qu'il y a... Le fait qu'il a nos clés. Il me saoule, celui-là. Hein. Arrête de venir me faire yesh. Oh, il y a une star. C'est qui? Star montante. Naoki Ito. Ito ou To? J'ai pas vu, attends. Naoki Ito. Naoki, je suis une arriviste. Je vais me présenter. Comment ça tenter? C'est une star montante, ça va, calmez-vous, hein, c'est pas une superstar mondiale, hein. Non mais arrête de faire la fangirl, fais pas la fangirl. Oh non, il est blasé, il est mal à l'aise. Elle m'a mis la star mal à l'aise, là. Oh!
amicale. Cela ne s'est pas très bien passé, vous devriez attendre avant de recommencer. T'es sérieuse? Mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Est-ce qu'il y a une autre star ici? Toi? Toi, t'es un fan? Toi, t'es qui? Fan? En fait, il n'y a que des fans ici. Oh non. La star, elle... En fait, c'est cringe de ouf. Il y a des paparazzi dehors aussi. Attendez. C'est un paparazzi, ça? J'étais sûre. Bon, on s'est foutu la honte devant une star. Est-ce qu'on pourrait pas engager un guest à faire du jam? Vas-y, vas-y. La notoriété avant tout. Mais, oh, mais je ne vois rien. La notoriété avant tout, vas-y là. N'étale pas ta richesse partout. Surtout. J'ai aucune richesse. Je suis nulle. Par contre, si on gagne au loto, c'est génial. On devrait, les adolescents devraient participer au loto aussi. Allez, allez, donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Y'a personne. Pourquoi dès que je joue de la guitare, y'a personne? Rentre à la maison, rentre. Rentre à la maison, c'est mort. C'est mort, on est nul. On est nul. Nul, Céline. Il faudrait qu'on s'entraîne à chanter aussi. C'est les modes, les icônes à côté des bulles d'interaction. Pas du tout, ce sont les envies des Sims que tu peux activer dans les options. Est-ce que vous, là, les Gugus, vous pouvez jouer au loto, s'il vous plaît? C'est où déjà? Ici, je crois. Non? Attendez, c'est... Ouais, je vais sauvegarder juste après. Deux secondes. C'était où le loto? C'est pas là. C'est pas là. Il me semblait que c'était ici. Eh bé. Vous croyez que les ados, ils peuvent pas, en fait? J'ai l'impression que c'est pas là. Du tout. Oh, merde. Oh, non. C'est là, non? Y'a pas... Bah, je crois que les ados peuvent pas en fait. Vas-y, je sauvegarde. Et merci du coup, Advivio1 pour ton follow, bienvenue. Bon, bah les ados ils peuvent pas participer. Ouais, c'était grisé, j'ai pas fait gaffe. Ok, on a sauvegardé, c'est bon. Alors, comment s'est passé l'école vous? Est-ce que ça s'est bien passé madame? Tu as atteint le niveau 2 dans une compétence, tu n'as pas commencé tes devoirs, et bah tu vas aller les faire s'il te plaît. J'aimerais bien aussi, si tu le souhaites, par pitié. Commencer à pratiquer la magie. Tu vas pratiquer la magie pratique. Voilà, tu vas faire comme ta mère, tu vas devenir une grande sorcière. Et elle était enragée. J'ai vu de base, hein. Faut vraiment pas qu'on dorme à la maison, par contre, faut que je m'en souvienne. Arrête. Oh, mais regardez comme elle est vénère de fou. On va aller en bas, devant dans notre chaudron, et on va encore faire des expériences et tout. Et on peut préparer une potion si on veut. Ah, il faut de la pomme et tout. Ah, faut des ingrédients pour préparer des potions. D'accord. Merci pour le lurk. L'oiseau que tu as, comment tu l'as eu? C'est dans Monde Magique. Le pack Monde Magique, les amis. Céline, j'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet, principalement du négatif, mais ce n'est pas grave. En général, les gens... Bah merci, j'ai même pas eu le temps de finir. Les murs sont énormes. Ils font 3, ouais. 3 ou 2, mes murs. J'aime quand c'est assez haut. J'aime bien. C'est François qui doit mourir, si. Troufion, elle reste vivante, elle. Vas-y, Troufion, c'est bien. On a 500 balles. C'est quand que vous allez bosser, vous, les loulous? C'est quand? Dans 3 jours... ouais, c'est vraiment pas maintenant, quoi. C'est vraiment dans hyper longtemps, en fait, que vous allez bosser. Et toi? Ah, toi, tu bosses jeudi, vendredi, samedi. Bah, c'est la seule, hein. Faut qu'on atteigne le niveau 4 de la compétence fitness. Ah! Alors, si tu as besoin, il faudrait peut-être lui demander d'aller courir pour augmenter sa compétence. J'avais vu sur internet, les ados peuvent travailler à temps partiel, genre fast food. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai mis des petits boulots. Arrête d'être enragée, toi. Allez, Céline. Fais ton expérience. Ah. Qu'est-ce qu'on a appris? Ah, Troufion, elle a appris Repario. Je brûle de voir ce que tu vas faire avec ce nouveau sort. Trop cool. Elle est trop mignonne. La maman veut du fric. Bah, moi aussi, je veux du fric. Extrême violence. Calme-toi, s'il te plaît. Arrête de t'énerver pour tout et n'importe quoi. Je t'en supplie. Arrête ça. On n'a pas changé de saison. Non, on est toujours à l'automne. On est toujours à l'automne. Qu'est-ce qu'elle fout? Ah oui, elle est partie courir. Mais j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai vu du feu et tout. En fait, c'est son familier. Elle est moisie, la soupe. On n'est pas en train de faire de la soupe. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais compétences et débats, toi? Ok, si tu veux. Faut que tu atteignes le niveau 2 de la compétence jardinage. Ah, c'est vrai que ce serait cool de continuer là-dessus. Déraciner. Ouais, de saison. Y a rien à faire. Et ça, y a rien à faire. Ma foi. Continue, hein, si tu veux. Non, mais elle est instantanément enragée. C'est trop chiant. T'as pas fini ton expérience? Mais c'est hyper long, madame, hein. Elle est en colère.
Effondrement émotionnel. Pourquoi t'es vénère? Pire journée de sa vie. Bien pire que la précédente, pire journée de sa vie. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah, je pensais, vu qu'ils étaient en tenue de temps froid, autant pour moi. Pas de problème. Attends, le niveau 2 de la compétence. Ok, très bien. Tu t'es calmé. C'est bien. Continue à faire une expérience. On est obligé, hein, de toute façon. Pratique la magie. Magie pratique. Pour les besoins, je pense que je l'utiliserai après. Tu vas faire... magie malicieuse encore. Et tu vas faire... magie indomptée. Est-ce que tu peux modifier la durée des tranches d'âge via le MCC sur une partie seulement et ça n'impacte pas les autres parties? Ou jouer une partie, vie courte ou longue? Bah, normalement, ça concerne que la partie en cours, si tu veux. Salut Minutieux, comment tu vas? Genre là, tu vois, je suis en mode de vie court. Et je suis pas en mode de vie long et ça n'impacte pas mes autres parties dans les paramètres de base. On a... découvert le sort dérobé. C'est quoi dérobé? Dérobé? Déjà, on a Florori... attends, Flora L'Oréal. Gardez vos plantes en bonne santé sans insectes. Ah, ça, c'est cool. Ok. On a Furio. Convainquez deux Sims de se disputer et en venir aux mains. Et dérobé, accéder à quelque chose qui ne vous appartient pas. Oh, stylé! On va pouvoir faire du vol et tout. Oh là là! Mais ça, pour gagner de l'argent. Mais c'est nickel! Mais c'est superbement bien, en fait. C'est volé. C'était pour être sûr. Je me doutais que dérober voulait dire voler. Mais on sait jamais. Je dois aller, je reviens après. Bonne soirée. Elle peut voler comme klepto. Mais c'est ça, en fait, qu'elle va pouvoir faire, je pense. Elle va pouvoir faire la kleptomane. Sans souci aucun. Et ça, c'est bien. Ça, moi, je suis contente, tu vois. Mais toi et Wisebot, c'est la même... Wisebot, c'est un bot... D'ailleurs, je viens de percuter, mais c'est quoi les oiseaux qui te suivent partout? Ce sont les familiers. Ce sont les familiers, en fait, des sorciers. Donc, ils restent avec toi, comme ça. Ils te suivent. Je crois qu'elle va pas très bien, la fille. Bah, elle est au bout de sa life. Elle a envie de se doucher et tout, d'ailleurs. Ce serait cool que tu ailles le faire. Faut vraiment qu'on gagne de la thune. Hein. Pourquoi tu peux pas? T'es mal à l'aise de prendre une douche? Ah, l'eau, elle est... Oh, merde, les factures, les gars. Bah, 442 simflows. Mince, j'ai oublié les factures. Vas-y, vas-y. Vas-y, on a payé les factures. Tu vas prendre une douche. Pitié. Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, elle veut être méchante avec sa fille, t'es relou. Arrête. Arrête de vouloir être méchante. Tu vas continuer à pratiquer ta magie. Pratiquer la magie indomptée. Apprends des sorts, apprends à fond des sorts. Pratique la magie, pratique. Et ensuite, tu vas aller préparer une potion. Non. On n'en connaît qu'une. Fais encore une expérience. Céline a appris à préparer tous les sorts de son rang actuel. Pratiquer la magie ou faire des expériences avec le chaudron lui permettra d'améliorer ses capacités de jeteuse de sorts. Ah ouais? D'accord. Donc, dans la magie pratique, on a tous les sorts, c'est ça? Attends, faut que je vérifie. Parce que moi, je sais pas, moi. Ouvrir le grimoire. Fais voir. Magie pratique? Non, on n'a pas tout appris. Il manque téléporter, copier-coller, herbio, chez moi... Et rite d'ascension. Ça aussi, il nous en manque. Magie indomptée. Ah, on a contrôlé maintenant. Il nous en manque quelques-uns. Et... Non, on n'a pas tout appris. Mais on a appris tous les sorts de notre rang, donc ça veut dire de ce rang-là. Adepte. Donc il va falloir qu'on continue de faire évoluer tout ça. Loki a été adopté. Merci. J'étais pas au courant. Comment tu te sens? Ça va, tu fais ta douche? Parfait. Tu vas ensuite aller utiliser les toilettes et... Pourquoi pas améliorer ta compétence cuisine et commencer à faire à manger genre une... Comment ça? Portion individuelle? Ah mais parce qu'on n'a pas de thunes. Attends, pourquoi? Ah non, on a... On peut faire que des portions individuelles? Mais à ce moment-là, on est pauvre et on est nul. Oh non. Ben, on va faire ça. De la salade de fruits. J'aime bien le parquet. Ouais, il est joli le parquet en vrai. Toi, tu sers à rien? Si? Non? Nettoie ça, s'il te plaît. Jette. Jette-moi tout ça. Ça nous fera gagner de la thune. Est-ce que tu as fait tes devoirs avant de mourir quand même un minimum? Mais lui aussi... Mais il a re la pierre. Il a toujours la glimpierre, hein. Du coup, tout le monde en a une. Mais pourquoi il en a alors qu'il est pas sorcier? Je vous jure que c'est pas un sorcier, hein. Vous croyez qu'il peut apprendre? Il y a un fantôme chez toi. Ah ouais? Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai un fantôme à la maison? On peut le calciner, vous croyez? T'es qui? Dominique Soto. Mais qui êtes-vous? Attendez, est-ce que je peux, genre, magie, sort... Oh! Contrôler? Vas-y, essaye, essaye. On va essayer de contrôler un fantôme après. Faudrait que... Elle arrête de pratiquer la magie. Attends, c'est où? C'est là.
Attendez, je vais... Non, il est parti le fantôme. Ah non, il est là. Viens. Viens, 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 viens. Faire reprendre ses esprits. Oh, je peux la... Préparer à manger, nettoyer, aller dormir, nettoyer. Genre là, elle a jeté un sort, il peut aller nettoyer ma maison. Attends. Ou alors faire reprendre ses esprits, je sais pas. Il a volé la pierre. Mais je sais pas comment il a fait. Ah mais oui, mais nettoie. Trop bien, je peux le contrôler, faire faire ce que je veux. Attends, aller dormir. Nettoyer encore. Vas-y. Mais c'est génial, fais une expérience toi. Parce qu'il a une famille de sorciers pour pouvoir suivre sa famille, même s'il n'est pas sorcier. Ah ouais? C'est cohérent, je savais pas. Va te coucher. Dors. Allez madame, vous êtes machiavélique. Fantôme de compagnie. Il nettoie tout, c'est trop cool. Par contre, qui c'est qui doit avoir le niveau en réparation déjà? C'est pas lui. Non, lui c'est le jardinage. Et toi? Non mais personne en fait, j'ai cru, mais c'est pas du tout le cas. Par on pige dans la maison. Les adolescents ils peuvent, mais c'est elle qui peut pas. C'est le personnage principal en gros. Coucou, tu lèves jusqu'à quelle heure? Ça dépend. Là, je pense que je m'arrêterai au plus tard à 21h, pas plus. Qu'est-ce que tu fais? Elle va fertiliser. Non mais... Ok. Tu iras ensuite faire une sieste quand tu seras fatiguée dans le buisson. Je sais qu'il faut pas que je dorme à la maison. Les ados, je les laisse parce que sinon c'est trop compliqué. Mais à gérer tout le monde en fait. Mais on va dire que la Sims génération principale, c'est tout en elle qui prend le gage. Un petit chien, ce serait bien. Vous voulez qu'on adopte un animal? C'est vrai que ce serait marrant d'adopter un animal. Continue à faire ton expérience, s'il te plaît. Je veux augmenter mes points, c'est dans le but du jeu. Par contre, les collections, moi, je sais pas. Hein. Oui, les Sims hors surnaturel peuvent devenir sorciers s'ils le souhaitent. Il y a une quête à faire auprès des maîtres sorciers. Bah, c'est pour ça qu'il doit avoir la pierre philosophale. Oui, ce serait cool. Vous voulez un animal? Eh ben, on va faire un sondage. Vous allez choisir. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un chat ou un chien? Allez, ça peut être très marrant. Un petit animal, c'est vrai que ça me manque un peu. Donc les modos, elles vont vous faire un petit sondage. Vous allez pouvoir choisir ce que vous préférez entre les deux. Allez, vas-y, continue. Faire tout ça. Ton expérience. Ça augmente vite quand même, hein. C'est pas super long. C'est bien. Vous allez choisir. Merci pour le sondage, les modos, c'est gentil. Soit un chat, soit un chien. Après, une famille de sorciers, pour moi, plutôt un chien. Un chat, pardon. Faites des récoltes. On n'a pas gagné le... Oh, ouais. On n'a pas gagné le loto, là? Je suis très triste. Qu'est-ce que tu veux? T'es venu me gueuler dessus, là? Ah, il est venu me demander un conseil. Qu'est-ce que t'as? Je suis horrible! Oh, mon visage ne ressemble à rien, je ne peux pas sortir dans la rue comme ça! Le pauvre! Coucou Arwen! Salut Zo! Ce n'est pas grave, n'exagère pas! Mais un peu de maquillage! C'est trop triste. C'est vraiment très triste. Elle est méchante, on va lui dire, mets du maquillage! Un chat noir comme ma Joy. Vous choisissez ce que vous voulez. Bah, il a pas totalement tort. C'est vrai que. On va lui dire, mets du maquillage. Désolée, voilà, c'est comme ça. Continue à faire une expérience, toi. Un Saint-Bernard. On verra ce que je vais adopter après. On s'en occupe tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Ça va, toi? Elle est bien. Franchement, elle est pas mal. Est-ce que. Applique du nettoyant pour le visage. Allez, ça va te faire du bien. Maquillage pour réparer. Ouh, il y a eux là. Faites des récoltes. Mets-toi un peu de lotion et tout. Oh, les boobs qu'elle a, je vous jure, elle a des boobies énormes. Regardez-la. Allez, un petit peu de maquillage, là, de la lotion, tout ça. Pour te sentir belle et fraîche avant d'aller au lycée. Refais-toi une beauté aussi. Mets-toi à fond, là. À fond. Plus de choix. Essaye des tenues. Non, on va pas essayer de tenues. Tu vas te motiver avant d'aller à l'école. Et puis c'est bon, quoi. Regardez-la. Elle fait trop la belle. Elle est en mode, non, mais moi, c'est bon. Tout va bien. De toute manière, il va mourir, moche ou pas. Il faut un chat ou un chien moche dans le thème. C'est vrai. Je viens d'arriver, j'ai manqué quoi? Oh, Zou qui lui dit fur. Oh! Bah, t'as manqué 2h24 de live. Donc, ça fait beaucoup. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, en tout cas. Au cas où, vous avez le lien en bio sur TikTok. Ce sera beaucoup mieux. De base. Ouais, elle est tellement pas proportionnée. Non. Salut, K-Purple. C'est quoi, le nain de jardin? C'est la fête des récoltes, c'est pour ça. Faudrait qu'on fasse un petit peu la fête des récoltes, tout ça, tout ça. Allez, tu continues, toi, à faire ton expérience? Parfait. Je veux mes points de talent. Je veux mes points. Et je peux utiliser Réparo pour ça. Salut Céline, j'ai pensé que je pourrais passer te voir pour fêter ça avec toi. Bah vas-y, Morgénin, de toute façon, t'es un petit con. Mais c'est pas grave, passe. Oh, tu répares, c'est tellement gentil. Mais tu dois aller à l'école, mon petit pote. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est les vacances! C'est un jour férié! C'est un jour férié! Vous n'avez pas école. Alors toi, est-ce que tu peux... Bah écoute, tu vas aller réparer en vrai, hein. Tant pis. Il y a Morgine qui est venue.
Merci Mogofit pour ton follow, bienvenue. Après, gros sein plutôt mince, elle répond aux archétypes de beauté de la société en quelque sorte. Elle a pas assez de hanches pour répondre aux archétypes de la société, tu vois. Elle en a pas. Question, ça fait quoi d'être VIP? Le fait d'être VIP déjà te permet en gros d'avoir un badge VIP juste à côté de ton pseudo. Pour le streamer, bah, c'est énorme en fait d'avoir quelqu'un qui est VIP parce que ça prouve la fidélité en fait du viewer et tout et tout. Donc en fait, on va dire que c'est un step up. Et tu as des commandes aussi qui sont spécifiques aux VIP. Salut, c'est Lel, comment ça va? Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu la fête des récoltes. Je sais pas. Il faudrait qu'on aille voir les gnomes. Les gnomes, ils peuvent nous donner des trucs à faire pour le jardinage et tout. Calmez le gnome. Tu vas lui donner de la salade à lui. Toi, tu vas lui donner un cube du futur. Et lui, on va lui donner un cake aux fruits. Cake aux fruits ? Je pense que je suis une con d'avoir fait ça. Très, très con. Personne dans les Sims aime les cake aux fruits. Ça n'existe pas. Poubelle, ça. Allez. Sinon, on va se faire électrocuter. On va mourir. Le sondage est terminé. Oh non, il est pas content. Mais t'es chiant! Mais j'ai rien fait, en plus t'es moche, toi aussi, là. Du coup, vous avez choisi quoi pour le sondage? Un chat ou un chien? Ils sont barrés. What? Mais c'est des... Mais vous êtes trop méchants? Jette ça. Il va détester. Non, mais je te jure, vous avez choisi chat? Bah, allez, vous savez quoi? On va le faire maintenant. On est une vedette débutante, trop bien. On va le faire maintenant, debout. T'as pas le droit de dormir ici! Tu dois dormir à l'extérieur de la maison. Mais purée, c'est trop. MC Commander. Alors, soit... Je réfléchis. On peut pas adopter par le téléphone. On va avoir le service d'adoption juste sur le téléphone. Attendez, je vais ajouter une story à Simstagram. J'en profite tant que je le vois. Faire du bénévolat, déménager. Et un chat sur la galerie. Je vais essayer de voir sur la galerie. Mais d'abord, j'aimerais bien voir aussi en adoption. On peut pas adopter direct, là? Remis Snow Off. Non, ça, c'est, on s'en fout. C'est où, divertissement? C'est où, adopter? Ouais, c'est un chat qu'on va prendre, ouais. Là. C'est dans service? Ah! Adopter un chat! 200 balles, hein. On peut pas. Bon, on va dans la galerie, hein. On peut pas. On peut pas du tout. On n'a pas de thunes. Mais est-ce qu'on peut voir quand même une image réussie, hein? Oh, j'ai gagné 10 balles! Non, t'as pas le droit de dormir. Mais écoutez, on va se mettre en mode galerie, hein. Modifier la famille dans le CES. Tant pis. Ok, un chat, moi j'imaginerais bien un chat noir, en mode sorcier, ou alors on fait un chat moche, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pas de thune, j'ai pas de thune, moi je suis pauvre moi, je suis une pauvrette, soit on prend un chat hideux, soit on crée un chat hideux, soit on prend un beau chat dans la galerie, on fait un chat moche, on le fait nous-mêmes, le pauvre. Oh, mais bouillou, you. Ok, attends. On peut prendre déjà un gros chat, comme ça. Et on fait nimp. Vous choisissez. Bébé, il est si bas. On va le prendre... Écoutez. Amical. Je vais rendre dommage, sinon. Quoi? Gâté, futé et bavard. Oh, comment on l'appelle? On trouvera le nom après. Vous choisissez. Soit on prend le beau chat, soit on fait un chat moche, genre Génération Leader. Mais là, pour faire un chat moche, moi ça va me briser le cœur, hein. Je sais même pas comment on peut faire un chat moche. Oh my god. Ça va être terrible, mais le pauvre, pauvre bête. Déjà, ça commence mal, là. Oh non... Oh non. Je vais tout... Je sais pas ce que je fais. Voir les... Oh là là. Comme ça, là. C'est trop grave. Les yeux. On peut les mettre... Alors, on va faire un œil oui, un œil non. Un œil comme ça. Et l'autre, un œil orange. Ouais. Voilà, il fallait voter chien. Et ben voilà. Qu'est-ce que... Je sais pas. Petit loulou, là. Oh non, cette faciès, là, qu'il a.
Ta queue là, tu veux pas qu'on... On va lui mettre une queue comme ça. On peut rétrécir tout ça là? Oui, je vais utiliser l'outil peinture après, vous inquiétez pas. Ok. Oh, t'es gros. Oh, bébou! Go faire le génération leader avec lui aussi. Pauvre bête. Ton museau? Ah! Grave. Non, non, celui-là, c'est très bien. Moustache! On va lui mettre des grandes moustaches bleues. Ou vertes. Oh, des moustaches vertes, mais grave de fou. Mode peinture. Alors, je sais pas quoi faire. C'est trop triste. Bah, c'est vous qui avez choisi, moi, c'est pas moi. Hein. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de... Waouh. Ah ouais. Écoutez, moi... Quel enfer! Oh! On peut mettre... Eh ben... Eh ben, tu veux que je... Ah, je peux faire comme ça! Non. Mais non. Mais regardez! Mais regardez cet enfer! Commencez à trouver des idées de blaze. Regarde, regarde ça! Il est si moche. Attendez. Attendez, c'est trop horrible. Il est... J'enlève parce que du coup, ça me donne des idées. Bad trip. Attends. Comme ça, c'est bien. Je veux un autre pelage, moi. Il y a quoi? Il y a ça. C'est un Pikachu. Je vais le mettre en violet. Oh, regardez, regardez, regardez. C'est un chat robot! Mais c'est incroyable! Attendez, je fais son petit cucu. Violet, c'est trop stylé! Regardez ça! Mais génial! Bébou! Attends, reste là. Je fais tout, moi. Il est beau, hein? On peut mettre... Oh, on peut lui mettre des petites... des petits cacas. Regarde. Un caca ici. D'une autre couleur, s'il vous plaît. Le caca, il sera bleu. Non. Vert. Ouais. Un caca ici. Là. On peut lui mettre un énorme caca ici. C'est cool, hein? Et on peut lui mettre... deux cœurs au niveau des yeux. Toujours plus cruel, mais c'est pas cruel. Magnifique, il est beau, hein? Moi, je kiffe. Appelle-le Beurre Quichon. Je le croise dans la rue, j'ai peur qu'il me lance un sort. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Des petites taches. On pourrait mettre des taches. J'aimerais, je veux pas que ce soit symétrique, forcément. Qu'est-ce qu'on met comme couleur? Des petites taches comme ça. Leirani, merci pour le follow, bienvenue. On peut lui mettre des... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on aurait? Oh, des lunes. En mode, c'est un sorcier. Malmi, merci pour le follow. Bienvenue. On peut lui mettre... genre, une petite lune ici. Et derrière, au niveau de son fiac, on lui met une lune, là. Une étoile, là. Et... après, on peut faire d'une autre couleur... genre bleu, tu vois. Des taches zébrées par là. Une par là. Et moi, j'aimerais bien colorier. Je veux colorier maintenant. Comment je fais? Tu sais, j'apprends. Hein. Taille du pinceau. Non, 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 mais je veux colorier, moi. Ah. Je peux faire des petites... oh, des taches léopard aussi. Genre là. Quelle couleur? Jaune. Une là. Grave. Une là. Une là. Une là. Ça n'a aucun sens. Il est vraiment... Tiens, on rajoute ça là, comme ça. Il est compliqué, hein. On va mettre là aussi. Ouais, on va tout remplir, en fait.
Moi, je m'emballe, hein, comme d'hab. Tiens, descends un peu. Sur la patte. Pour le pinceau. Moi, j'aimerais bien qu'il ait les pattes toutes blanches. Là, là. Qu'il ait des chaussettes. Genre là, on lui met des chaussettes. C'est bien. Est-ce qu'on les fait blanches? Vous avez dit que vous vouliez qu'ils soient moches, alors c'est ce que je fais. Hein. Il lui faut un petit prénom mignon. Il est tellement stylé, mon chat. Là! Son nom de famille sera Bafion, hein. La beauté du chat, il est incroyable. Il est incroyable. Venez, on lui met les oreilles toutes blanches comme ça. Là. Trop cool. Trop, trop cool. Meilleur chat de votre vie que vous ayez jamais vu de votre vie. Ok. Nice. Je pars de là. Attendez, c'est pas fini, hein. Est-ce que je peux... Gras. Comme ça, là. Motif de pelage. Pas du tout. Fourrure. Une grosse fourrure, là. Et vêtements. On pourrait lui mettre un chapeau. Oh non, bébou. Pauvre bête. Je vous jure, c'est une pauvre bête. C'est une pauvre bête. Là, je vais mettre un collier. D'ailleurs, c'est un monsieur ou c'est une madame? Vous savez que j'ai même pas fait gaffe. T'es quoi? T'es un monsieur? C'est un petit monsieur. C'est quoi ton miaulement? Je vais voir, attends. Écoutez son miaulement. Oh, horrible le miaulement! Je prends. Pauvre bête. Aucun animal est maltraité ici. Oh, la robe. Petit monsieur, ça peut être Mims. Vous voulez qu'on l'appelle le petit monsieur? C'est dégueulasse, hein? Tu peux voir en vert? Maurice. Maurice. Là! Grosse tête. Chaussettes. En costume de sushi. Comme ça. Vous voulez que ce soit un sushi? Biglouche. Je pense que je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Il a une tête à s'appeler... Gollum. C'est vrai que Gollum, ça lui irait bien. Gollum. Gollum, c'est Mims. Vous voulez qu'il ait pas de fringues? Je vais voir en chapeau, j'ai quoi? Collier. Je vais lui en mettre un, je pense. Un petit rouge, là. Robe, il y a ça. Haut, il y a ça. Et tenue complète. Je vais lui mettre un petit t-shirt. Moi, j'aime bien la tartine, en vrai. J'avoue que j'aime bien la tartine. C'est horrible. Purée, je me suis endormie sur mon téléphone et quand je me réveille, je vois ça. La tartine. Bon courage, c'est sushi. Je vais l'appeler Gollum. Et la tartine. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est validé. Y a plus de sujet. C'est bon. Biscotte. C'est classique, biscotte. Gollum, c'est bien. Pa-pa-pa-la. Biscotte! Non, Gollum biscotte. Eh ouais, tu vois. Bah, ce sera son surnom, au pire. Non, mais viens. Oh, faut qu'on achète... 2000 balles, on a? On a 2006... Non, t'as pas le droit de dormir, là. On n'a pas le droit de dormir à l'intérieur. Mais on a 2000 balles. Ils sont sortis d'où, ceux-là? Ouais, j'ai un mode pour contrôler les animaux. Je sais pas si je l'ai pas partagé sur le Discord, en vrai.
Ok, toi t'es vénère. Va faire une sieste là-bas. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas le droit de dormir à l'intérieur. Tu comptes sortir demain? Non. Et d'ailleurs, t'es pas mon pote. Qui êtes-vous? Pour qui tu te prends? Va falloir qu'on achète des trucs pour Gollum hein, quand même. Hein. Il est où d'ailleurs? Gollum! D'accord, il est déjà devant les chiottes. Viens, on va prendre dans les bras, proposer son amitié, petit Gollum, et on va le féliciter. Essuie ça. C'est parfait. Est-ce que tu dors? Merveilleux. Voilà, on dort dehors, hein, je vous ai dit. Hein. Il regarde les toilettes de fou. Je vais me mettre en mode construction quand même, et je vais lui acheter, de quoi... Oh, on a eu ça. 100 balles. Je vais lui acheter quand même de quoi vivre, ce petit chat. Le petit chat, sinon ça risquerait d'être un petit peu con. Animaux, c'est où? C'est là. Alors, nous allons lui prendre, du coup, une litière. Malheureusement, j'ai pas non plus envie de mettre 400 balles dans une litière, je vais pas vous mytho. Donc, pour le moment, on va lui prendre sa litière, que nous allons mettre très gentiment ici, hein, en vrai, c'est pas grave, pour l'instant. Nous allons lui prendre ensuite une gamelle, 40 simflouz, pourquoi pas. On va la prendre en vert, vu que monsieur, il est tout le temps... Il représente quand même pas mal de verre, là, je vous avoue. Un petit lit. On va lui prendre un petit œuf au plat. Je trouve que c'est mignon en vert, là. C'est sa couleur, le vert. On va le lui mettre là, pour cacher la misère. Bah, attendez, je vais modifier, parce que c'est ça trigger de fou. Voilà, parfait. On va te le mettre juste là, ton œuf. Tu vas dormir à côté de ta mère. Et on va, pourquoi pas, lui en mettre un autre en bas quand même pour qu'il ait de quoi s'asseoir. Ou est-ce qu'avec 2000, je commence pas au moins à faire un salon? J'avais dit que l'escalier, je savais pas où le mettre. Je ne savais pas du tout où le mettre. Je pense que ça, je vais mettre là. Et j'avais pensé en fait à faire le salon de ce côté. Je sais pas si je le ferme. Un petit salon, là. Non, j'ai dit que je mettrais pas des contenus personnalisés parce qu'il faut que je vous partage le tout, moi. Ah non, Manon, le handicap! Attends. Un salon d'angle. Je sais pas si je vais faire ce que je vais faire exactement. Mais il faut pas non plus que je dépense des 1000 et des 100. Écoutez... On va se prendre juste un petit coin pour se faire un salon vite fait. La litière, elle me gêne. Je vais la mettre là pour le moment. Je sais pas trop ce que ce sera ici. Je vais remettre comme ça. C'est vrai que j'ai pas peint tous les murs. Eh oui. Voilà. Ça, ce serait sympa de fermer, ouais. Parce que j'ai dit que la disposition, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et j'avais trop envie de me mettre une petite cheminée. Mais vous avez vu les prix, quoi. Des cheminées. Mais quand même, un petit salon, ce serait quand même sympa. Ce serait cool. Non, il n'y a pas de porte parce que j'avais pas de thunes. Je pense que je vais fermer pour le moment. Mais je sais pas trop... Je ne sais pas si je les laisse vraiment ici, vous voyez. On va prendre pour les portes. Je vais prendre les mêmes que j'ai là-haut. Pour l'instant, on va mettre là et là. Est-ce que je mettrai pas, du coup, l'entrée ici, plutôt? Et du coup, on décale tout. Genre, ça, c'est comme ça, tu vois. Et ça... En vrai, de vrai... Si je fais ça là... C'est bizarre. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais casser là. Et je vais pas mettre des toilettes séparées, je pense. Non, je pense pas. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Et puis, ce sera un carré en plein milieu. Ça ne me dérangera pas. Ça fera un coin. Tu fais comment pour les handicaps? Il faut que je me mette avec ma roue, là. Il faut que je me mette avec la roue du handicap. Est-ce qu'on se ferait pas le petit salon dans ce sens-là, plutôt? On peut voir. Je sais pas trop. Et on se rajouterait une table. Ouais. Une petite table, là. Ça pourrait être cool. Mais quel genre de table? Telle est ma question. Ça, c'est joli. Je sais pas. Je vais économiser quand je serai plus grande. Je les utiliserai. Ça, si ça y est encore. De quoi? Quand tu seras plus grande. J'aime pas.
Ça, j'aime bien. Je sais pas si... Les portes n'importe où. Comment ça, les portes n'importe où? Elles sont pas n'importe où, mes portes. Bon, il y a de la pisse ici, en bas, là. Bonne soirée, Odé. Des bisous. J'aime pas. Je sais pas trop quoi choisir pour l'instant. Est-ce que j'utiliserai pas ça? Ah, en jaune. Pourquoi pas? Salut Léonie, comment vas-tu? Et une petite télé. Là. Ah, de mettre des portes n'importe où, tu veux dire. D'accord, j'avais pas compris ça. Écoutez, je vais mettre ça comme ça pour le moment, je sais pas trop. Je sais pas encore vraiment la décoration que je veux faire, j'y ai pas trop pensé. Donc là, je suis en mode 1. Je suis en mode freestyle, de fou. Mais ça peut quand même commencer à ressembler à quelque chose. C'est la maison de qui? C'est la maison de la génération leader, quoi. Ça marche, petit chat, bonne soirée. Des bisous. Je fais le génération leader sur TikTok. Merci de m'avoir suivi, d'ailleurs. L'escalier, il me gêne, en fait, dans ce sens-là. J'ai envie de le mettre peut-être comme ça. Je sais pas trop, tu vois. J'avais pensé à faire... En fait, j'aimerais pas qu'il me gêne. Est-ce que je fermerais pas? Ah, mais j'ai plus de thunes. Oh non, j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes, ça me saoule. La porte d'entrée... Bah ouais, mais non, mais ça va pas, en fait. En fait, j'aimerais bien... savoir où le mettre. Cet escalier pourri là qui pue. Vous le metteriez où à ma place? Dans 10 jours il y a la mise à jour, j'ai trop hâte, grave. Excusez-moi, avec quel pack? Décoration de... Non, c'est Heure de Gloire je crois. Ouais, c'est Heure de Gloire. Vous le mettez... On le met où ce truc là? Il me saoule, voilà, il me saoule. Je l'aime plus. Voilà, il m'a gavé. Genre, il est trop imposant. Il m'a saoulé. Dans le coin. Mais pas droit, en zigzag. Là. Là. J'ai pas la place. C'est nul. C'est nul, j'ai pas de place. Et là, ça bouffe ma cuisine. Il me saoule, cet escalier. Je vous jure, on n'est pas potes. On n'est pas potes du tout. À part si... En haut, il me gêne pas trop. Zigzag, j'ai pas de thune, les gars. Ou alors, si... J'aurais ça. Merci, Kali, pour le follow, bienvenue. Non, mais ça me casse la tête. C'est bizarre. Là? Ah, là, c'est pas trop mal, en vrai. T'arrives de là? Si, si, si. C'est pas trop mal. Et là, sa grand-mère en short. Tu mets ça comme ça, là, juste en attendant, pour faire une petite séparation, tu vois, parce que c'est laid. Ok. Pas horrible. Ça va. Ça passe. Mais... Du coup, ça me touche la fenêtre. Que je vais du coup décaler l'edge, quoi. Je vais la mettre là, la fenêtre. Et la cuisine... mais là, j'ai un trou, ça me saoule. Vous voyez ce que je veux dire? Là, faudra mettre une plante ou quoi. Est-ce que je le cacherai pas? Salut, Kali. La rambarde, ça coûte de l'argent, c'est pour ça que je vais pas la mettre maintenant. Est-ce que je... Eh, j'ai pas de thunes. Moi, je veux fermer la cuisine après. Je passe en lurk, je vais jouer des bisous. Merci pour le lurk, Karel, des bisous. Bonjour, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est un raid? Un raid, c'est quand un streamer envoie sa communauté chez un autre streamer pour le soutenir. Tu peux mettre une porte dessus, et en dessus, un chiotte sous l'escalier. Ah! Ou alors là, les chiottes, ici, là.
Ou alors là. J'ai pas de thunes! Mais oui, je vois. Cuisine ouverte? Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de laisser la cuisine ouverte. Vas-y, j'ai pas une thune. Ça m'a saoulé. Laissez-moi faire mes murs. C'est fermé ou pas, au moins? Est-ce que c'est fermé? C'est pas fermé, on est d'accord? Faut que je fasse ça encore. Eh, j'ai pas de thune. En vrai, de vrai. Je m'en fous de ça. Là. Ça fait un mur. Coucou, coucou les Sims, comment vas-tu? Là, tu vois. Tu vends. Tac. Ça. Tu mets une porte. Merci Tokyo pour le follow, bienvenue. Et là, j'ai les shots. Tu mets ça, mais c'est grand en vrai. Elles sont grandes les toilettes pour pas grand chose. Mais au moins on pourra mettre un évier et tout là. C'est pas mal là. Salut Tokyo et merci Namojuk7 pour ton follow, bienvenue. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. Bon c'est spé, là comme ça n'a aucun sens. En vrai il me trigger ce coin. Attends. Attends. Est-ce que... Genre ça on laisse ouvert. Attends. Ça me trigger. Là là. On peut pas mettre... Comme ça me fera moins de murs. Une porte ici. Et les chiottes là. Je crois que c'est mieux. C'est pas mieux. Je trouve que c'est plus cohérent. Ça me comble mon vide absolu. Mais par contre au niveau de la porte c'est nul. Enfin je sais pas en fait. Est-ce que c'est vraiment nul? Non, ça peut passer. C'est mieux, hein? Je casse tout. Merci Loan pour le follow. J'adore les Sims. Vive les Sims. Moi aussi, j'adore les Sims. Voilà, je mets des peintures simples hein, pour le moment parce que pas utile, plus. Il n'y aura que des toilettes. Oui, c'est pour avoir des toilettes séparées, exact. On va mettre un plan de travail, celui de tout à l'heure. 200 balles. Écoutez, je vais mettre ça, c'est pas grave. Coucou moi, j'aime trop tes emotes, merci. La porte c'est genre, venez, c'est fun chez nous. Moi j'adore cette porte. Et là on décorera, en vrai ça passe, hein. Je te dis sur TikTok, merci Luan, c'est gentil. Qu'est-ce que vous en dites? Faudra juste voir s'ils peuvent bien passer ici, quoi. C'est juste ça. Normalement, oui. Et du coup, l'escalier, ça fait ça. On a trouvé l'emplacement de l'escalier, hein. Allez, c'est bon. Je vais sauvegarder. Moi, je kiffe bien. Ça va. Bon, du coup, on a juste un canapé. Mais c'est déjà bien. La maison, je vous la partagerai dans la galerie quand j'aurai terminé le Génération Leader. Oula, j'ai... Waouh, ma souris, elle s'est barrée. Vas-y, utilise les toilettes pour voir. Non, pas toi. Bah, tu es en train de dormir. Ah, bah, parfait. J'ai même pas eu besoin de faire plus. Trop beau, par contre. Tu as utilisé le CC pour le seau. Le seau. Le sol. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vient, je sais plus avec quel pack. Merci Kiaki Magic pour le follow. Bienvenue. Bonne soirée à ceux qui vont manger, se coucher, profiter de leur soirée, quoi. Mais non, non, non. Il n'y a aucun CC utilisé. Hé, qu'est-ce que vous faites ici, vous, là? Hop. Et j'ai un handicap à tourner. Purée, vas-y, c'est abusé. J'ai une roue du handicap. Ça y est, c'est parti. Casse les oreilles, ce handicap là. Pardon. Non mais vous abusez là. Ah. Non mais arrêtez. Enfin, c'est bon, là. Ça va une minute, non? Il y a un moment donné. Vous voulez vraiment que je me jette? Bah, voilà. Bah, alors, banqueroute, merci. C'est zéro. Voilà. Non, mais yes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bah, go twerker, hein. Est-ce que... merde! Est-ce que tu peux me donner des cadeaux? Vas-y, vas-y, implorer le pardon parce que tu m'as saoulé. Calmer le gnome. Eux, ils peuvent me donner de la moula, en vrai. Ils peuvent. Iliana, pardon, merci pour ton follow, bienvenue. Quoi? Quoi? Non mais,
Implore le pardon, je te dis. Banqueroute, c'est mettre à zéro. C'est bon ? Abusé. Alicia, merci pour ton follow, bienvenue. Ok, donnez-moi des cadeaux s'il vous plaît au lieu de m'électrocuter, j'ai rien fait. Pardon, je suis désolée. Pardon, je suis désolée. Excuse-moi. Oh non, pas encore, pas deux fois. Non, c'est bon. Ah, merci. Voilà. On va chanter. Non, j'ai pas envie de chanter. Lui là, implorer le pardon encore. Comment tu te sens mauvaise? T'as faim? Va manger. Il ne va pas faire long feu lui. Bah de toute façon, il est censé mourir. Hein. C'est bon? Ah parfait, regardez, regardez, ils nous ont balancé des trucs. Bah écoutez, alors soit on les utilise pour le jardinage, soit on les vend. Qu'est-ce que c'est? Attendez, ouvrir le sachet saisonnière d'été et automne. On a quoi? On a eu des pommes et des haricots verts. Franchement, on va planter des trucs. Vas-y, plante les haricots verts. Et t'aimes le jardinage? Bah parfait, aime. Plante ça. Mon cochon d'Inde vient d'éternuer. C'est trop mignon, c'est mignon les cochons d'Inde en vrai. Ok, cool. Est-ce que tu veux faire aussi la fête des récoltes pour me faire gagner des petits trucs, toi? Chanter ensemble? Ah non, tu veux pas. Bon bah, yes. Ah, il y a ça encore. Vas-y, go. Go, go, go. Ouvre les plantes saisonnières d'été. On n'a pas encore changé de saison. Ah, des cerises! Mais oui, parfait. Plante. Ah, c'est peut-être pas de saison. Encore, plante le haricot vert. Les cerises, c'est d'été, ouais. Je vais garder, hein. Je vais peut-être vendre juste les pommes. Et là, on a beaucoup de déchets qu'on peut mettre dans la poubelle et ça peut nous faire gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu fous? Coucou, fiston, ça te dit de passer rendre visite à ton papa adoré? Venez, on y va. On y va avec Troufion. On va voir notre père, il nous a invités. Bonsoir, comment tu as eu l'oiseau qui te suit? C'est dans un pack particulier, c'est dans Monde Magique. Les cochons d'Inde sont surtout des composts naturels. J'ai jamais eu de cochon d'Inde dans ma vie, moi. Gruchette, merci pour le follow, bienvenue. Ça va ta baraque, toi? Regardez la baraque du mec. Oh, et tu donnes pas de thunes? Mais quel rat. Mais il déteste le fils, ouais, mais peut-être qu'il veut se racheter. Merci Sissi pour ton follow, bienvenue, c'est très gentil. Mec, je vais me moquer de lui parce que je suis une connasse. Merci JJX pour ton follow, bienvenue. Le rat en personne. Non mais vous avez vu sa maison? Et nous on galère tous les jours. Vas-y, je t'aime pas. On va se plaindre du jour férié parce que t'es un mauvais toi. Et on va lui demander de l'argent. Voilà, ça va être notre banque en fait. Et la pension alimentaire? C'est quoi? T'as cru que quoi là? T'as un peu d'argent pour moi. Elle, la fille s'entend bien avec son papa. Avec Sergio, ça va. Ça se passe plutôt bien. Mais franchement, il est riche hein. Est-ce que on dirait pas à Céline de venir, qui est enragée? Oh non, Céline, calme-toi, calme-toi. T'es chez ton ex. T'as pas été invitée en plus, donc calmos. Et on va utiliser le sort pour voler un truc. Vous savez, on a un sort là pour voler des robios ou des robios, je sais pas quoi là. Le père, il est beau et riche. Serait le stéréotype de toute série B de télé. Je te jure, c'est une télé-réalité là. Il est stéréotypé. Est-ce qu'on peut magie, sort, dérober? Ça coûte cher, non? Venez, on lui vole sa télé. Dérobe, dérobe. Oh, ouais. Viens, viens, viens. Nous, on est venus. Elle est en explosion. Elle est en explosion. Vas-y, vas-y, on va dérober des trucs chez lui. Je vole mon ex. Pourquoi tu peux pas? Elle est hystérique. Non. Mais vole. Allez, sois pas une petite... Hein? Voilà, c'est bon. Il est parti. T'as volé? Nickel. Va te calmer. Va te calmer juste parce que t'es hystérique. Elle l'a volé. Trop bien. Toi. Bon, tu vas essayer de sympathiser avec ton père. Il est où le padré? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il... Regardez-le, qu'est-ce qu'il fait? Il fait flipper, non? On va discuter des peurs avec lui, notre père, là. On va montrer sa reconnaissance. Genre, tu vois, genre, il va pas se rendre compte que sa télé a disparu. Ouais, je vais essayer de voler plein de trucs. Mais je vais pas lui dire, tu vois. C'est bon, tu te calmes? Ok, cool. C'est dommage que lui, il puisse pas le faire. Lui, il est mortifié. Vas-y, calmos. Est-ce que tu peux faire un peu tes devoirs chez ton père? Comme ça, ça va te faire autre chose. Genre, notre père, il nous a invités. Comment ça se passe? On s'entend bien avec lui. Il est adulte, lui, déjà. Il est plus... Non, il a le même âge que nous. On va essayer de le calmer. Pourquoi t'es énervé, papa? On va s'excuser auprès de lui. Genre, je m'excuse que mon frère, ce soit un petit con. Il veut pas voir que son ex, il s'est exilé dans le jardin. C'est ça, il est en mode, mais je l'ai pas invité, celui-là.
On a des trucs à voler. Vas-y, ce tableau. Magie. Sort. On peut pas ? A été pris sur le fait. Non ! Qui c'est qui nous a pris sur le fait ? Mais non, on nous a pris sur le fait, on peut rien faire, là ? Mais c'est trop nul ! On peut plus voler. Je crois qu'il faut qu'on attende 2 heures Sims pour pouvoir voler. Regardez, on peut pas. Ah non ! Mais il nous a même pas vu, hein. Bonsoir à vous, je t'ai connu via YouTube sur les shorts, cela m'a aidé dans mon jeu et certains mods, merci à toi. Avec grand plaisir Gigi, contente que tu sois venue nous voir sur Twitch, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien Enokijio, et toi? Ça fait plaisir de te voir, merci. Oh my god, l'affiche, non mais je crois que c'est lui qui nous a vu. La fonction kleptomane, j'aime trop. Alors là c'est pas la fonction kleptomane, du coup c'est le fait qu'on... Bah, on est kleptomane mais en mode sorcier et c'est très marrant. Je trouve ça très très drôle. Par contre, on a été pris sur le fait. Au pire, au pire, au pire. Au pire. On lui vole de l'argent direct, tu vois. Va lui voler. Tu veux pas? C'est méchant. Oh, il y a Salim qui nous appelle. Elsa m'a proposé un rencard. Il me saoule. Oh, lui, je vous jure, toute sa vie, c'est nous rendre jalouse. Lui, toute sa vie, c'est... Écoute, j'ai trop envie de sortir avec toi. Je l'ai bâché parce que je l'ai friendzoné, vous voyez. Alors qu'on a essayé de faire craque avec lui au début pour avoir des enfants avec lui, sauf qu'il n'est pas stérile. Il est stérile, pardon. Donc, en fait, il n'y a pas de possibilité. Donc, j'ai dit stop, ciao. Le mec, il n'a pas arrêté de nous envoyer 45 000 messages, genre, ouais, je vais essayer de voir machin et tout. Cette meuf, elle me plaît et tout. T'en penses quoi, nanana. Au final, il nous demande en couple, genre, est-ce que tu veux être ma petite amie? Je ressens des trucs pour toi et tout. On lui a dit non, dégage, mec, je m'en fous de ta gueule. Et depuis, il arrête pas de nous envoyer des messages en mode... On peut... Qu'est-ce que tu penses de Elsa? Et si je me mettais en couple avec machin, tu penses que ce serait cool et tout? Mec, lâche-moi! Lâche ma veste! Je m'en tape! Donc fonce! J'arrête pas de lui dire oui, oui, vas-y! Il est nul, hein! Je live jusqu'à maximum 21h parce que après, je vais enfin pouvoir sortir. Après une opération des dents de sagesse, je vais pouvoir aller voir des gens. Attendez, je sors juste Aline. 2 secondes. Je vous jure, il est abusé le mec. C'est un pot de colle. Et en fait, je sais pas s'il essaye de nous rendre jalouse. Mais je pense, hein. Sauf que ça marche pas. Tu me conseilles quoi entre saison et au travail si j'aime le gameplay? Saison trop bien, au travail trop bien. Donc je sais pas. Les deux rajoutent énormément de gameplay en vrai. Hein. J'ai pas vu la tête de la fille, je peux la voir. Elle est là, la fille. La fille, elle est en mode je dors ici. Debout! Regardez, les enfants, ils ressemblent à ça. La fille. Elle a des dents. Mais c'est quoi ces dents? Oh my god, elle a des dents complètement dégueulasses. Ah bah voilà, bah yes. Ça c'est la tête de la fille. Ça c'est la tête du fils qui va mourir quand il sera adulte. Est-ce qu'on peut voir mieux ta tête s'il te plaît mec? Ta tête. Là. Ça c'est Thanos. Thanos de Wish. Il est beau hein. Et la fille c'est la future génération. Quand même on passe de ça à ça, arrêtez. Est-ce que tu peux... Quand on veut, les hommes ils veulent pas. Et quand on a un homme, ils nous tous pas vrai. Ils nous tous pas vrai. J'ai pas compris. Tu peux voler ou pas là? Est-ce que c'est bon, c'est passé? Allez. Sors. Toujours pas. Je veux de l'argent. Déjà on s'aime pas donc en vrai. Autant y aller quoi. Interaction non violente, voler de l'argent. Il est crade. Non il est pas crade. Il est crade, il pue. Il est pas crade, il est fatigué. J'essaye de lui voler de l'argent mais je crois qu'elle y est pas arrivée. T'as réussi? Elle danse avec lui. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, ils sont en train de danser ensemble? Il s'est passé un truc entre vous là? Attends. Attends, attends. T'as encore un truc? Complimenter lourdement l'apparence, discuter de sa relation amoureuse. Quoi? On est ex, hein? Pourquoi t'es venu te coller à moi là pour danser? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas trop comment je me sens, mais j'imagine que tout va bien dans notre relation. Je crois pas, non? On va se battre du coup pour lui dire. Qu'est-ce qu'elle a? Drague désastreuse. Céline a essayé de draguer, ce n'est tout simplement pas son style. Elle veut pas, elle veut pas. Voilà, on va le défoncer. C'est quoi? Cette perruche. Eh? Bah, la communauté, c'est la communauté des perruches, en gros. C'est du suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis. Ouais, c'est ça. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Écoute... Quoi? Mais il m'embrouille, en plus. Attendez. Non mais on s'aime plus, on s'aime plus. Il fait que m'engueuler! Il fait que m'engueuler. Attendez, je vais lui jeter un sort. Donner une potion. Non, sort. Je vais... Furio, c'est quoi? Quoi? Je sais pas ce que c'est, Furio. La fille, elle a pas appris le sort pour voler. Attends, attends, attends. Magie, sort. Je vais le calciner.
Désolée. Oh non, il est pas mort. Il est pas mort. Dommage, j'aurais aimé qu'il meure. Attends, non, non, tu vas pas te laver là. Magie, sort, on le fait quoi maintenant? Contrôler, impeccablo, furio, délirifié. Délirifié, je vais me faire délirer le mec. Vas-y, vas-y, viens, viens. Moi, je vais te torturer, moi. T'as cru que quoi? Vas-y, dans la douche. Regarde-le avec ses pétales de rose et tout. Vas-y, vas-y. On peut le rendre fou. Faites voir, il est parti où? Regardez-le, comment il marche. Il va où? Il fait quoi? Oh non, c'est un zombie. Je l'ai transformé en zombie. Ça va pas? Tu te sens mal? Bah désolé, hein. Allez, ciao, hein, salut. Casse-toi. Du coup, je vais essayer de te voler des trucs maintenant. Sors, électri... Non, je peux toujours pas dérober. Je crois qu'il faut que j'attende 2 ans. 2 heures, pardon. 3 a gagné 160 pendant son jour férié. Ah oui, mais c'est vrai que c'était un jour férié et qu'elle devait travailler, elle n'y est pas allée. Tu peux le cambrioler. Mais non, je dois encore attendre. Hein. C'est pas possible. Il va creuser sa tombe. Je pense qu'on reviendra pour le... traîner dans la boue. Céline fait maintenant la une de la presse People suite à sa bagarre. On voit une photo d'elle au sol et ceux qui lisent les sites People se demandent qui a gagné cette bagarre. Céline peut porter plainte pour diffamation si elle estime que les paparazzis sont allés trop loin cette fois. Pardon ? Les paparazzis, mais comment? J'ai fait ça chez mon ex? Oh, il a dû envoyer un message. Oh l'enflure. Le mec a dû envoyer un message au paparazzis. Oh l'enfoiré. Attendez, c'est dans quoi? C'est pas dans web? Consultez la presse People. Oh non, je peux pas. Je suis trop mal à l'aise. Pourquoi je suis trop mal à l'aise? Parce que je suis fatiguée. Attends, non, je veux pas être traînée dans la boue là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais on est en train de faire un bad buzz de fou les gars. Ça va pas du tout. Magie, j'aimerais bien boire la potion des besoins assouvis, s'il te plaît. Bois ça. Est-ce que ça va augmenter tous mes besoins, du coup? Parfait. Merci, Nessida, pour ton follow. Bienvenue. Ok, pourquoi t'es mal à l'aise, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Fesses éclaboussées par l'eau des toilettes. Vous avez déjà vécu ça? Et vous savez à quel point c'est immonde. Arrête, ça va. Tout va bien. Tes fesses vont se porter correctement. Consulte la presse People, s'il te plaît. Parce que là, je comprends pas trop. Et c'est où déjà? C'est où déjà? Je ne me rappelle pas. Réserver une détox. C'est dans quoi? J'ai oublié ce où c'est. Je veux porter plainte pour diffamation, bande de relous. Mais je pense qu'il me faut de l'argent et j'en ai pas assez. Consulter les réseaux sociaux. Salut Mathieu. Coucou Dylan, coucou les perruches, désolé je pouvais pas être là car j'ai fini le travail il y a 1 heure et je pourrais pas être trop active ce soir, je viens vous faire un petit coucou. J'espère que Céline va bien, elle va très bien, merci. Elle va très bien, par contre je suis en train de m'énerver là, tout doucement. Où c'est que je peux porter plainte? Ça me saoule. Ça doit être... ouais mais ça coûte hyper cher et... Réseau social, c'est pas là. C'est dans... Non. Bon plan, écrire des blagues, écrire non. Web, mais ça doit être là en fait. Réserver une détox. Mais je veux pas avoir une détox. Non mais de toute façon, j'ai trop de... J'ai beaucoup trop de galères là. Et j'ai pas de sous. Vas-y, est-ce qu'on peut encore voler un truc ou pas là? Toujours pas, hein. Les gars, je vais rentrer à la maison, tant pis. Salut Lydie, comment ça va? Tu devrais le tuer. Non, il faut qu'il reste en vie. J'ai eu envie un moment, mais je me dis, il faut qu'il reste en vie, tu vois. 3 heures que je regarde ton live, c'est ouf. Merci d'être présent, les gars. Ça me fait très plaisir, vraiment. Tu dois le tuer? Non, on va le torturer. Ouais, un peu, on va s'en occuper. Ouais, les enfants sont ados maintenant. Bon, comment vous sentez, les refs, là? Pas très bien, hein? Allez, va faire une douche. Je vais me mettre ici. Je vais vendre ce que j'ai volé. 3000. Non mais 3999. Les gars, la télé, elle m'a quand même rapporté de la thune. Ça c'est cool. On va pouvoir refaire une mini réno, je pense. Ça peut être sympa. Prends une douche ici, là. Parfait. Toi, comme d'habitude, tu es enragé. Hello, c'est quoi les oiseaux au-dessus de leur tête? Ce sont des familiers qui viennent avec le pack Monde Magique. Alors non, on va essayer de se calmer madame s'il vous plaît. Arrêtez de faire des conneries. Et après ta rage folle madame,
Tu vas pratiquer de la magie, s'il te plaît. Magie indomptée. Voilà, parfait. Est-ce que Troufion, elle avait fait ses devoirs et tout, elle? Oui, elle avait fait tous ses devoirs, elle était nickel. Elle a ça à vendre. J'ai des déchets aussi. La gamelle du petit. Remplir et appeler Gollum pour qu'il aille manger. Parce que Gollum, là, sinon il va dead, en fait. Hein. Je vais laisser ça là pour le jeter juste après. Vas-y, appelle Gollum. Viens, bébou. Tu vas pouvoir manger. Ce sont des sorciers. Ouais, sauf François, c'est pas un sorcier, lui. Où est ma litière? Elle est bien là, hein, on est d'accord. Mettre dans l'inventaire, non. Ça, on jette aussi. Pourquoi? Bah, déraciner la plante. Mais comment ça, ça a fait une plante? C'est dégueulasse. Mais oui, les choux. Gollum, on l'aime, on l'apprécie. Tiens, hop, on va jeter ça. Je vais la faire pratiquer un petit peu la magie pour qu'elle apprenne des sorts aussi. C'est vrai qu'il arrête de monter sur les meubles, lui. Hein. Pratiquer la magie, pratique. Tu vas faire ça. T'es toujours très en colère, toi. Pourquoi t'es en colère comme ça? Mais je vous jure, elle a une colère surhumaine. C'est horrible. Arrête! Mais... Elle est horrible. Familier. Je vais renvoyer le familier pour pas qu'il reste trop au-dessus de ma tête, là. Voilà. On va faire un peu de vacances de familier, là. C'est bon. Magie. Pratique la magie indomptée. C'est quand l'anniversaire des ados? C'est pas maintenant, je crois. Je vais regarder, t'as raison, parce que je sais pas. Ah bah le même jour que leur mère. C'est mardi prochain. On est vendredi donc c'est pas tout de suite. Allez, Céline a appris à préparer tous les sorts de son rang actuel. Ouais, je sais. Il faut quand même qu'on gagne des points de talent, s'il vous plaît. Quand tu vois son taux de mocheté, tu m'étonnes qu'elle a une colère intérieure aussi haute. Ah non, mais en plus, pour que vous ayez tout le truc, elle est méchante, froide, elle a plein d'immunités contre la tuberculose et la méningite. Elle est idéaliste, des gens poétiques, gentils et altruistes. C'est complètement faux, elle est pas gentille. Elle est sociable, c'est une bouffonne, elle a peur de ne pas réaliser ses rêves, elle a peur de l'échec et elle est exigeante. On est jeteur de sorts, maîtresse. Trop bien, je vais sauvegarder. On a step up encore sur le rang. Et par contre, une petite... Non, Lilou! Bon appétit, Paloma, mange bien. Non, mais c'est trop... Ok. Tu as atteint le nouveau rang, j'ai hâte de voir les prochains sorts que tu vas apprendre. Attends, elle aussi? Ah, oh, Céline aussi? Céline, n'importe quoi. Ah, trou! Trop bien. Alors, décharge... Blender intégré, je pense qu'on va lui mettre l'apprentissage théorique et on va lui mettre, comme sa mère, expérience accélérée. Voilà, parfait. Et toi aussi, tu as augmenté tes points. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre à la dame Céline? Elle pourrait prendre don pour l'enseignement, gain de relations et de compétences augmentées lorsque votre sim se forme d'autres jeteurs de sorts ou font des expériences avec eux. Ou réduction magique. Votre sim se bénéficie d'une réduction de 50% sur tous les achats réalisés au stand du marché du monde magique. Ah, c'est pas mal ça. Merci NecoArt pour le follow, bienvenue. Franchement, vu que c'est la daronne, je pense que lui prendre ça, don pour l'enseignement, ce serait sympa. Parce qu'elle pourrait apprendre du coup à sa fille à faire de la magie. Donc je pense que je vais lui prendre ça. Ouais... Et ça, détecteur de particules. Votre sim se peut désormais voir les particules magiques et les récupérer. Les particules peuvent être utilisées pour faire des expériences et obtenir des petites améliorations aléatoires des besoins. Oh, grave cool ça. Sa fille. C'est bon. J'ai compris. Elle est trop énervée, traînée dans la boue. Ce ne sont pas vos oignons. Personne n'a à savoir pourquoi, le pourquoi du comment de cette bagarre. Et encore moins à en parler à tout le monde. Ça va se finir en procès. Ah, elle a envie de faire un procès en fait, hein. Elle a envie de faire un procès, la madame, ça ne va pas du tout. She is très énervée, hein. Est-ce que, du coup, je peux... Bah, va aux toilettes, t'as raison. Est-ce que je peux, du coup, enseigner un petit peu à ma fille de faire des petits sorts et tout, là? Est-ce que ce serait sympa de le faire, ça, ou pas? Comment on fait? Alors, attends. S'enthousiasmer à propos de la magie, discuter des risques d'excès d'énergie. Bah, on va discuter avec elle de tout ça, là. Faudrait bien qu'on partage un petit peu. Qui m'appelle? Je suis content qu'on ait pu discuter au téléphone. Ah bon, je t'ai appelé? Mais pourquoi faire? C'est la friendzone, on a dit. Enfin, la friendzone, sex friends plutôt. S'enthousiasmer à propos de la magie. Elle est encore enragée. J'en ai marre. Comment on fait pour lui apprendre magie? On peut faire un duel. Discuter, sort. On peut... Non, je vais pas lui jeter un sort. Duel de magie, proposer une formation en magie. Vas-y. Fais-lui une formation grave. Mais tu parles avec elle d'en haut, là? D'accord.
Salut, je suis en train de regarder les derniers épisodes du 100 bébé challenge, je me régale, trop cool. Bienvenue à toi, Nekoart. Mais ne l'embrouille pas, là. Pourquoi tu... Attends. Pourquoi tu veux pas, là, proposer une formation en magie? Oh non, on a blessé notre fille, maintenant. Non, il n'y a pas besoin de mettre de bol d'eau pour les animaux. Ça, bizarrement, ils ont pas de problème. Ok, ça ne va pas du tout. Notre chère dame a décidé d'être une grosse bip. Bip, bip, bip. Est-ce qu'on peut aller essayer de se calmer? Toi, tu vas arrêter de t'entraîner à débattre, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Pitié. Vas-y, va te calmer. Et du coup, c'est quoi vos sentiments, là, les meufs? Vu que ça va pas du tout, ouvrir le profil. Enfant non désiré, elle est horrible. Et Trou est blessé. Trou a été blessé par le comportement de Céline. Et être près de cette dernière lui rappellera cette souffrance. Bah écoute, je suis navrée pour toi. Elle va aller pleurer dans son lit. Oh non mais... Bah je vais la laisser aller pleurer en vrai. Faut qu'elle extériorise tout ça. Non, ou alors au lieu d'aller pleurer, tu sais quoi? Tu vas t'occuper du chat. Qui se barre très loin apparemment. Je sais pas où tu vas. Vas-y, viens. Tu vas prendre dans tes bras. Tu vas faire un câlin réconfortant. Et tu vas lui faire un petit soin. Tu vas l'appeler. Et lui demander une chanson. Voilà, parfait. T'as 4000 simflouz, tu veux pas construire des trucs? Si, après, je veux jouer là pour l'instant un peu. Elle est en effondrement émotionnel, Zabardi. Calme-toi, arrête tes conneries là. S'il te plaît, j'en ai marre de toi. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu sers strictement à rien, t'as faim. Tu sais quoi, cuisine un truc, fais-nous un truc à manger. Fais-nous des gâteaux de riz, allez, fais ça. Maman toxique, c'est clair. Allez, occupe-toi de ton chat là. Il est en train de... Il y a un renard à la maison. Mais pourquoi le chat... Qu'est-ce qu'il fout, le chat? Mais tu veux pas... Va voir le chat. Il m'écoute pas. Sissou, réponds, s'il te plaît. Répondre à quoi, Mimi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y. Voilà, fais du love avec ton chat. Non, mais regardez là. Regarde. C'est terrible. Oh, vous êtes encore là, vous? Attendez, je vais mettre ça dans mon inventaire. Attends, il y a plein de trucs. Mais ça, c'est cool, ça. Est-ce que lui, dans son inventaire, il n'y avait pas des choses à vendre? Non, ça, on a dit qu'on gardait. Arroser, il n'y a rien à arroser. Il n'y a rien à faire de ce truc-là. Vas-y, ouvre. Ouvre les sachets. Coucou, Cla, comment ça va? Ah, des roses. Est-ce que... Vas-y, vous savez quoi? On va se faire vraiment... on va se faire une petite serre gratuite. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Genre... Ça... On va le mettre là, tu vois. Le buisson, on va... Pourquoi pas le mettre de ce côté. En mode là. De toute façon, c'est pas gênant. Ce serait cool de faire une mini-serre, mais alors, est-ce que je mettrais pas l'arbre comme ça? Il rentre un peu dans la maison, donc ça ne va pas. Ouais, et la serre, on la met juste ici. Salut Ezralia, comment ça va? On va se faire une serre. Elle va être trop grande, là. Est-ce que je la fais ovale, comme ça? Si. Je pense que ça peut le faire. Ouais. Eh bé. Mais qu'est-ce que... Elle veut pas tourner. C'est trop bizarre. Pourquoi t'es buggée, comme ça? Pourquoi les portes veulent pas... Attends, quoi? Il y a un problème là. Il y a un problème dans la matrice. Normalement, je peux mettre des portes. Pourquoi là, je peux pas? Pourquoi c'est buggé? Parce que gratuitement. Bonne soirée à ceux qui y vont. Si, on peut, mais là, je comprends pas. C'est buggé. Oui, non, mais c'est un toit. Mais d'habitude. Attends, je l'ai fait 45 000 fois ce truc là. Attends, je réfléchis. Je crois que j'ai manqué une étape. Attends. Normalement, tu fais un toit. C'est gratuit. Non, mais je sais que c'est un toit. Mais je suis habituée à le faire. Hein.
Attends, je sais. Tu fais ça. Non, tu fais pas ça. J'ai oublié. Normalement, attendez, parce que je sais le faire d'habitude. Parce que je pense que c'est parce que c'est pas le bon. Attends. Attendez, hein. Ouais, c'est bon. C'était pas juste pas le bon toit, c'est tout. Ok, j'étais en train de me dire, t'es bizarre meuf. Dégage. Alors, on va refaire un toit. On va prendre celui-là, je pense. Fais voir. Est-ce que... Ouais, non, on va prendre l'autre. Il n'y a que celui-là qui me convient, au final. Alors, je vais te tourner, monsieur. Comme ça, voilà. C'est bon. Je vais le mettre en haut, je vais le mettre en rond. Je vais l'agrandir comme ceci. C'est un peu haut quand même, hein. Pas aussi, pas besoin que ce soit aussi haut, je pense. Ça, ce sera pas mal. Voilà. Bisous à ceux qui y vont. Bonne soirée à vous, les gars. Je crois que je vais mettre tout trans... Ouais. Voir ça. Ouais. Ça, c'est bon. Et du coup, on va pouvoir mettre une petite porte. Qu'est-ce qu'on met comme porte? Une porte... Une porte basique, en vrai. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas une porte comme ça? En mode... En mode bûcheron. Une porte transparente, on en a. De toute façon, il faut que je mette des fenêtres. Ça, j'ai pas le choix. On a des espèces de baies vitrées, en fait. Genre, elle pourrait être cool. Mais ça coûte cher. Mine de rien. Et... Mais j'aimerais bien, en fait, agrandir ça. Pour avoir de la place. On a des portes en verre. Bah, on a des baies vitrées, quoi. Celle-là, elle coûte combien? Elle coûtait moins cher. Dégage. Hop. Non, mais ça, c'est bien. Ça fera l'affaire. Et en fenêtre... Ah, j'ai pas la place. C'est très triste. On pourrait mettre un truc comme ça. Bientôt la cabane dans les arbres de fou! Voilà. On va faire un truc comme ça. Et pour que ce soit assorti quand même à l'extérieur, je pense que je vais prendre ça. Là. Parfait! C'est pas si mal. On va... Merde. Je vais juste... prendre... On va voir du coup comment on agrandit tout ça. Je vais prendre ça. Hop. Ouais, c'est la technique si vous voulez vous faire une serre. Ça. Et je vais en rajouter deux autres en espérant juste qu'elle ait bien la place de rentrer. J'imagine que ça ira. J'imagine. Et pour qui la cabane, c'est une serre? C'est pas une cabane. C'est juste pour pouvoir mettre mes plantes et mes fruits comme je veux. J'aimerais bien mettre plein de petits pots aussi partout là, autour. En mode vraiment... Alors c'est du bricolage et de la décoration, mais j'aime bien en fait. Je veux que ça fasse quand même maison de petite sorcière. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien. Ça reste des sorciers donc... Bon appétit à ceux qui vont manger. Merci Palette pour ton follow, bienvenue. Bisous à ceux qui y vont, des bisous les gars. Ok! C'est pas si mal! Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien. Très vite à la campagne. Mais oui, mais ça fait cool. Moi j'aime bien. Par exemple, tu vois, genre... Là, planter... Tu peux planter des bégonias ici. Et là, tu peux planter... non, encore des bégonias en vrai. Vas-y, je vais lui faire planter tout. Mais c'est trop beau. Comment on achète un pack sur Instant Gaming? Le jeu est livré chez nous ou il se télécharge? Ce sont des clés de jeu. C'est tout étant dématérialisé, vous le recevez tout par mail. Cool!
C'est trop beau, regardez. Mais pourquoi tu plantes pas bien par contre? Plante. Sois pas têtu. Envoyez les élèves tout seuls. Non, c'est pas... C'est pas beau. La déco des pots, tu peux l'utiliser pour une plante. J'ai rien compris. À un moment, elle va mourir de colère. Je pense que son destin est très sombre, ouais. Je pense qu'elle a un destin assez sombre. Tu peux pas planter encore un truc, là? Dommage. Elle aime pas le jardinage. Elle se débrouille, hein. Moi, hein. Il y a un moment donné, c'est bon, hein. Kiyokala, merci pour ton follow. Bienvenue. Ouais, je sais qu'elle est encore énervée. Est-ce que, du coup, là, tu peux planter les petits pois? Je veux juste voir. Bah, on a la place, hein. Désolée, t'es obligée, madame. J'ai pas trop le choix. C'est comme ça. Je viens de t'envoyer des sous. Oh, cool! 27 balles. Elle est toujours énervée, les amis. Dites-vous que cette dame... Elle est buggée, la plante qui est là. Hein. C'est quoi la plante bleue? Je sais pas, c'est une plante à fruits, à épines. Bon, elle est buggée, cette fleur. Vous pouvez m'expliquer pour quelle raison? C'est bizarre. Tu me manquerais sûrement. Quand tu ne seras plus là, je vais te manquer aussi. Non, je te connais pas. Je sais pas qui tu es. C'est la pension alimentaire, c'est clair. Ah bah là, ça a bug... Je sais pas pourquoi lui, il était buggé de fou. Plante, continue. T'as pas le choix. Allez, arrête tes bêtises. Elle veut pas, hein. Pour répondre à une question, Trou a utilisé les mots interdits. Le professeur est encore sous le choc. Oh non, cela mérite une punition. Ce ne sont que des mots. C'est-à-dire, ce sont que des mots. Non, elle veut pas. Bon, écoute, hein. On va arrêter le carnage. Ce sera pas elle. Mais arrête de m'appeler. C'est grave, punissez. Je sais pas. J'ai vu qu'il fallait punir. Moi, je punis. Ok, bon, t'es en colère. Fais une toile colérique. Gagne de la moula et deviens célèbre. Et merci, Nufa Eugénie, pour ton follow. Bienvenue. Non, elle m'écoute pas. Mais bien sûr qu'elle m'écoute pas. Elle s'en fout de ma vie. Elle s'en fout de ma vie. C'est trop horrible. Allez, fais tes petits trucs, là. Continue, c'est bien. Ça lime encore. Devine quoi, mon rencard avec Elsa. Je m'en fous. Je m'en fous. My God. Il y a un fruit du dragon par terre, derrière la plante, ça rapporte beaucoup. Mais il est pas... Il a pas poussé encore. Il y a rien qui a poussé. Genre le fruit du dragon, regarde, il, a pas... il est pas fini. C'est... C'est fini. Je dois attendre. Il est lourd, il est grave lourd. Qu'est-ce que tu fous? Mais t'as fini? Cette plante, bégonia, n'a pas réussi à germer. Essayez de la placer dans un endroit plus ouvert. Bah, comme si j'avais pas, je l'avais pas fait, là. Mais ça dans le... Mais... Franchement, Céline. Sur le chemin, vends ça. Je vous dis, la célébrité avant tout. La célébrité avant tout. Tu vas poster une story sur Simstagram. Voilà, la célébrité. Ce serait bien qu'on ait les moyens de se prendre un ordinateur un moment. Donné. Je vais jouer avec le replay du live de ce soir. Écoute, amuse-toi bien. C'est où? Sur le chemin? Ça, dans ton inventaire, s'il te plaît, madame. Arrête tes bêtises. Est-ce que tu as arrosé tout ça? Est-ce que ça? Arrose ça, au moins, au moins. Arrête tes bêtises, là. Tu arrêtes à 21h. Ouais. Il n'y a pas d'escalier à un endroit. À quel endroit? Il n'y a pas d'escalier. Bouge! Une image réussie, envoyée dans les tréfonds du web. Que demander de plus? C'est bien. T'as arrosé. Est-ce que tout... Non, mais rien n'a poussé. Hein. Est-ce que là, tu peux... Ouais, y a rien à faire. Hein. Je vous dis, elle veut pas. Trop hâte de te voir demain. Oui, demain, on est en live à 20h pour la maison du gaming, la télé-réalité des viewers. Vas-y. Gollum a vaincu un écureuil. Je suis ravie. Pourquoi elle veut pas m'écouter? Regardez comme elle veut pas. Plante. Allez. Peut-être qu'elle a pas la place en vrai et que c'est buggé. À tout moment, c'est ça. Hein. Arrose. Ok, ça nous en fait toujours un. Et plante, là-bas. Voilà. Enfin, on a réussi à tout planter. Cool. Ça, c'est bien. Arrose. Même si tu détestes. Je sais que t'es en colère. Je sais. Elle est super fatiguée. Faut qu'elle aille faire pipi. C'est où les toilettes? Ah oui, c'est là-bas. C'est là-bas. Faire caca en étant en colère. Vas-y, lâche tout. Sinon, je suis trop heureuse. Je pars en classe de neige lundi. Trop bien. Hein, trop, trop cool. Tu vas où en classe de neige? C'est l'heure du rendez-vous chez le médecin de Céline. On a rendez-vous chez le médecin? Ah bon? Ok, on va aller chez le médecin, les gars. Apparemment, on a un rendez-vous. J'ai entendu que tu critiquais mes compétences. C'est vrai, tu as vraiment fait ça. Mais pourquoi il y a des gens qui m'agressent alors que je ne les connais pas? Je vais te dire oui parce que je suis méchante et que j'en ai rien à faire de ta face. Ah, il y a des... Ok, elle a eu B de moyenne et il a eu B de moyenne. Bravo. Il n'y a pas d'escalier au niveau des plantes pour monter dans la maison. Pour monter dans la maison au niveau des plantes? Ah, là, tu veux dire? Ah oui, c'est vrai! Bien joué. Au niveau de la terrasse, tu veux dire? C'était ça. C'est vrai, bien joué. Et j'avoue que c'est légèrement important parce qu'ils n'arrêtent pas de faire le tour et c'est un peu con.
On va mettre ça. Très 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 bien vu. Ok, comme ça vous allez arrêter de faire le tour. Un vrai rat, bon appétit, bisous. Et merci Jules Palmito pour ton follow, bienvenue. François devrait recommencer à réfléchir à ses études. Non, 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 il va mourir avant. Le pauvre, pauvre bête. Il va mourir avant, le pauvre, vraiment. Il est condamné à crever d'une mort certaine. Va falloir que vous choisissiez la mort, hein. Vous voulez qu'on le tue comment? Bisous à ceux qui vont manger, les amis. Vous embêtez pas, elle est fatiguée. Elle a faim, elle est fatiguée. Vas-y, t'as raison. Tu sais quoi? Va dormir, c'est ton lit. Là, c'est bon. Céline, elle est partie vraiment chez le médecin, là? Mais elle est toujours en colère, elle est toujours vénère. Hydrate-toi, t'as raison. Ah, ça va mieux. Pauvre bête quand elle parle du fils. J'avoue, j'abuse légèrement. Comment tu te sens? T'as nettoyé la litière? Merci. C'est bien. Tu peux appeler le chat. Appeler Gollum pour qu'il vienne manger. Occupe-toi un peu de lui. Et fais-nous à manger, tiens. Cuisine un truc. Genre des raviolis. Quoi? Fais de la salade de fruits, c'est cool. Bon appétit à ceux qui vont manger. Elle va frapper le médecin. Je te jure, elle va le défracter. C'est bon, t'es calmé? Bon, elle est pas trop énervée en soi. Hein. Avec le sucre d'orge ou avec la couche? Alors, soit on utilise le mode extrême violence, soit on essaye avec le jeu de base, en mode les morts qui existent dans le jeu, du style... Bah ouais, je crois. Bah, des trucs à manger, vite fait, et un truc à moi à boire. Genre, je sais pas si ça existe, des cocktails sans alcool, tout près. Bah voilà. C'est pas bon? Ouais, mais en même temps, je peux pas te boire d'alcool, moi. Hein. J'ai pas le droit. J'ai tourné au jus toute la soirée. Y'a pas... Ouais, bah oui, je m'en fous. Non, je bois pas de coca, je déteste ça. Franchement... Mais un truc à manger, genre que je peux manger moi aussi, tu vois. Parce qu'à tout moment, je pourrais pas mâcher, je vais passer une soirée en train de crever. Pardon, excusez-moi. On laisse mourir de faim. Avec une couche. Alors, soit on utilise le mode extrême violence, soit on fait les morts naturelles des Sims. Vous choisissez. On le brûle. Ou on lui jette un sort. Je vais pas tarder à manger, merci. Tu as bien avancé, tu vas faire une seconde grossesse. Alors non, je n'ai pas le droit, c'est un accouchement par génération. Vous pouvez faire le point d'exclamation let's play si vous voulez vous rappeler des... Comment ça s'appelle? Des règles et tout. Mais non, la prochaine, du coup, ça va être Troufion qui va devoir tomber enceinte et voir sa prochaine génération. Mais j'aimerais bien lui faire des petites histoires de lycée. Je pense que dans le prochain épisode, on ira au lycée. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au lycée et faudra qu'on lui trouve quelqu'un. Ça pourrait être cool. Ça va, arrête de râler, oh là là. Pourquoi tu n'as pas le droit de boire de l'alcool? Parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse et que ça va faire mercredi, ça fera 2 semaines. Et honnêtement, je n'ai pas le droit de boire de l'alcool, bah déjà parce que je suis sous médicaments et antibiotiques et parce que j'ai toujours mal et je suis toujours légèrement inflammée de la mâchoire. Il n'y a que aujourd'hui où ça commence à aller un peu mieux, donc je ne prends pas de risque et je ne bois pas d'alcool. Et je ne peux pas encore manger totalement normalement non plus et j'ai toujours des douleurs à la mâchoire. Du coup, je fais très attention, voilà. Extrême violence. Genre, il y a un plat, s'il est médiocre, c'est empoisonné, tu meurs directement. Oui, je peux empoisonner des plats. Je me rappelais plus que tu avais retiré la seconde grossesse dans les règles, du coup, tant mieux que tu aies eu des jumeaux. Ouais, je l'ai enlevé pour pas me faciliter la tâche, en gros. Tu as vu qu'il y a un concert juste à la sortie de la ville, il faut qu'on y aille ensemble, c'est la chance de notre vie. Oh, trop bien. Il peut pas manger la gamelle du chat, François, c'est si méchant. Ah, elle travaille, elle. Les chemins à côté des toilettes, mais qu'est-ce qu'il y a à côté des toilettes? Oh. Quoi? Oui. Il y a un escalier à côté des toilettes, oui. Eh bien. Qu'est-ce que... Oui. Je comprends pas ce qu'on me dit. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Va! Oula! Regardez, regardez la tenue de fou, là! La maître nageuse en herbe. Incroyable. Allez! C'est vraiment Pamela Anderson, là. Bah, tu peux mourir de faim, tu peux mourir d'embarras, tu peux mourir d'hystérie, tu peux mourir à cause d'une météorite avec le mode... Enfin, le mode... Avec la météorite, le... Comment on appelle ça? Le télescope. Il y a plein, plein, plein de morts. Vous pouvez regarder sur Google si vous voulez. Elle pense qu'il y a un fruit du dragon. Mais quel fruit du dragon? Où vous voyez un fruit du dragon? Il n'y en a pas, les gars. Il n'y a pas de fruit du dragon. Je ne comprends pas où c'est qu'on me parle d'un fruit du dragon. Elle est sexy, hein? Genre, on est d'accord qu'il n'y a pas de fruit du dragon? Pas du tout. Il est à l'intérieur, il est dans la serre. Tu sais, ou par le vélo qui vont, je sais pas où, j'ai pas compris la question. Il n'y a pas de fruit du dragon, les guys, hein. Pas du tout. Qu'est-ce que t'as enragé? Jamais vu la mort avec le télescope, j'ai fait un TikTok dessus.
C'était très drôle. Mais elle est où? Allez chez le médecin. Mais rentre de chez le médecin. Elle rentre jamais. Il est 20h30. Pauvre chat. Mais il va bien le chat. Attendez, je vais sauvegarder. Pourquoi elle rentre pas, ma daronne, là? Ben, y a pas... Mais il n'y a pas de fruit du dragon, hein. Il n'y en a pas là-bas. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Téléporte-toi ici, j'en ai marre. Je peux pas la faire rentrer? Pourquoi? Ah! Ben non! Elle, elle est rentrée, mais... Il y a plein de morts. Il y a plein de morts de fou. Ma... Céline! J'en ai marre! Rentre! Je peux même pas commencer de réunion. C'est... Mais ça, ça a bugué. Oh non, j'ai commencé une réunion sans faire exprès. Non, Céline, là. Bon, toi. C'est bon. Mais par contre, on en parle des gnomes qui sont tout le temps à la maison. Vas-y, je vais les... Oh, je vais les vendre, ça va me faire gagner de l'argent. Désolé, hein. Mais il faut ce qu'il faut dans la vie. Voilà. Ils ont pas voulu quitter mon domicile. Moi, je les fracasse. Wow, je te vois en HD. Ça va, Loki? Comment tu vas? Je te vois en HD. Le stress, ça veut dire qu'on voit toute ma gueule comme ça. Sauvegarde et rouvre. Mais pourquoi elle est dehors? Ouais, mais elle m'a saoulée, Céline Fion, là. Ça va, merci. Ça va, ça va. Et toi, t'en es où de ton PC, alors? T'as ton câble Ethernet ou pas? Non, je crois que tu l'as pas encore eu. Je crois que j'ai vu ta story. Tu l'as pas encore eu. Tu l'attends, hein, c'est ça? Elle m'a saoulée. MC Commander. Attends. Commande du Sims. Je peux pas l'invoquer. Elle m'a gavée. Mais enfin. La moula grâce au gnome. Tu sais ce qu'on va faire? Je sais, j'ai une idée. On va se barrer. Avec Troufion, elle va se casser dans le monde magique. Ou tu sais quoi, 21h50, on va sortir avec ma mère. On va aller en mode boîte de nuit. On va boire des verres. J'en sais rien. J'essaie d'annuler, ça veut pas, ça marche pas. C'est bon, il est branché en Ethernet. Je suis passée de 28 descendants à 900. Bah, purée, ça fait beaucoup, là. Là, tu revis, je pense. Ça bug. Normalement, ça bug pas. Enfin, si vous parlez de mon live TikTok, normalement, ça bug pas. Et si jamais, bah, n'hésitez pas à venir sur Twitch, vous avez le lien en bio, si vous avez des soucis avec TikTok. Mais sinon, si tu parles de moi et de mon interaction qui buguait, c'était très chelou, ouais. Je te confirme. On peut l'invoquer? Non, je pouvais pas l'invoquer, là. Bah vas-y, on va aller à Del Sol Valley, on va retourner aux Orchidées, le bar Eclatax, où il y a que des stars qui nous aiment pas et qui peuvent pas nous blairer. Toujours sur ma télé en plein écran. Vous allez me faire rougir, arrêtez. Arrêtez ça. Pourquoi ils sont toujours enragés? Parce que ma Cimette, c'est une boule d'émotion. Elle est toujours vénère et elle est méchante, donc ça n'arrange pas. Bonjour! Rougis donc. Non, mais je te... Mais, Vas-y, je suis timide, là. Viens, ma fille, je vais te faire murger la gueule. On va boire. Et puis, c'est sucré. Oula, il y a Kaline qui est venue comme une bombe atomique, là. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, il y a Kaline qui veut vous dire bonjour. Est-ce que vous voulez dire bonjour à mon chat qui pue? Dire bonjour, ma fille. Viens. Oh, elle a roté. Oula, elle vous a roté au visage. Elle vous a pas respecté, en vrai. Hein. Tiens. Avec les bruits des Sims qui rotent et tout aussi. Tu dis bonjour, ma grosse. Grosse, pas grosse, hein. Oh, babouchette. Oh, babouchon. Merci, Maë Smiley, pour ton follow. Bienvenue. Ah, babouchette, tu dis merci pour le follow, Dadouce. Eh bien, oui, hein. Oh, oui, tu... Mais arrête de roter, là. Oui, oui. Voilà, elle voulait vous saluer. Je vais la mettre derrière dans son lit. Tu viens, c'est beau? J'arrête d'être... Elle va descendre instantanément, je suis sûre. C'est une vieille mémère, hein. Je vous ai dit, elle a 17 ans. C'est une vieille. Mon frère vient de me dire qu'il y a une fille dans ton écran, comme si j'avais pas vu. C'est moi la fille dans l'écran? Je sais pas du tout ce que je mange, Yepi, ce soir. Je pense même que je ne vais pas du tout manger, pour la simple et bonne raison que je vais chez des amis à 21h, qu'ils prennent l'apéro en mode alcool et tout. Moi, je ne peux pas boire. Je ne peux pas manger ce que je veux avec ma mâchoire. Du coup, je ne sais même pas. Je peux même pas manger, même si j'aime pas les chips. Même pour l'apéro, je peux même pas manger des chips. Salut Clélia, comment tu vas? T'as eu des news du veto? Des news du veto par rapport à ce qu'elle avait? Non, pas plus. Bon, ma gosse, là. D'ailleurs, il faut que je prenne bientôt mon médicament parce que je sens que je recommence à avoir mal. La douleur, en fait, elle est surtout concentrée sur le côté gauche de ma mâchoire. C'est assez insupportable. Rip les curly donuts.
C'est mes chips préférés par contre. Les curly donuts, les gars. Je n'aime pas les chips, mais en apéro, si vous voulez me faire plaisir, genre, il faut me ramener des curly donuts. Est-ce que vous voyez lesquels c'est? Il faut que je vous les montre. C'est mes chips préférés de la mort qui tue. Et j'aime beaucoup aussi les Monster Munch. Munch. Curly donuts. Et pas les au caramel, hein. Pas aux noisettes, au caramel. C'est ceux-là, là. Oh, c'est une dinguerie. Ceux-là. S'il vous plaît, je note. Non, mais j'aime trop. C'est quoi vos chips préférés à vous? Mais justement, Sissou, rappelle-toi quand j'en ai mangé avec toi. Mais oui, je sais. Ta santé avant tout. Oui, et ça, du coup, je pouvais pas pouvoir en manger. J'aime trop ça. Genre, c'est trop bon. Ça et les Monster Munch aussi, mais ça, c'est littéralement mes chips préférés. Genre, je sais pas si vous aimez le sucré salé, mais moi, je kiffe. Ah, les 3D, je trouve ça dégueulasse. Je suis désolée. Je juge pas, par contre, de toute façon, à tout moment, vous vous dites que ça, c'est immonde et vous avez le droit. Les 3D, les gars, je suis désolée, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je suis du Québec. Ah, donc, est-ce que ça existe, ça, chez vous? Toutes sortes de chips? Non. Non, non. Ou alors, celle que j'aime beaucoup aussi, et ça, c'est mon gros kiff, c'est les chips... Comment on appelle ça? En mode nachos, que tu peux manger avec du guacamole ou les sauces salsa et tout, en mode tortilla et ah merde, j'ai plus mes mots. Merde. Non, c'est pas les... Ah, je sais plus lesquels c'est. C'est les Doritos, la marque? J'ai cru que c'était des curly goût donuts. Non, c'est pas des curly. Mais c'est pas... Doritos. Non, c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là. C'est les Old Del Paso, là. Old Del Paso chips. Quand je fais des fajitas, là. Ça. C'est ça. Oh, les nachips. C'est les nachips. Les tortilla chips, c'est ceux-là, mes préférés. Voilà, je les ai trouvés. C'est pas les autres, là. Là, je parle de ceux-là. Tortilla chips, t'as plein de goûts différents et tout. Les bretzels, j'aime bien aussi. Ça, je kiffe. Bref, on est parti dans un sujet chips, mais voilà. Sinon, je déteste les chips. On joue aux Sims et on passe aux chips. Mais parce que je commence à avoir faim, je crois. Il y a une star. Bonjour, qui est la star qui peut me donner de la moula ici? Ah, célébrité de série B. Vas-y, on va essayer de se présenter. Je rappelle qu'elle veut devenir une célébrité quand même. Tentez de se présenter, fais doucement. Moi, j'aime bien les bretzels apéro, c'est bon. Moonly, merci pour le follow, bienvenue. Après, je sais pas ce que c'est votre apéritif préféré. J'aime trop... Alors, j'adore le houmous avec du concombre ou des carottes. Oh là là, le houmous. Tu trempes des petits concombres et des carottes. Oui, je fais partie de cette team-là, moi. À l'apéro, la base de fou. Daffy, merci pour le follow, bienvenue. Ou alors des petites tartines avec genre du pâté ou tout ça. Coucou Daffy, coucou du Québec, comment ça va? Pour une fois, elle est pas en colère. Elle est mal à l'aise. Penny Pizzaz, elle est enceinte. Elle est enceinte, ouais, j'ai vu. Oh non, elle s'est évanouie. Oh non, les besoins. Les besoins sont catastrophiques. Salut Moonly, comment tu vas? Houmous sur les blinis. J'aime pas trop les blinis, par contre. Moi, je préfère me faire des petites toasts à la maison, au four, là. Ou au grille-pain. Trop bon. J'ai faim. J'ai pas mangé aujourd'hui, quasiment. Demandez une accolade. Demandez un autographe, s'il vous plaît. Tout va mal chez Céline. Céline, elle est au bout de sa life. Oh Meg, merci pour les besoins. Mais GG purée pour ces points de chaîne, les meilleurs points de chaîne qui existent de toute ma chaîne, vraiment. Allez, c'est bon, je prends, je note, je fais, je... C'est bon. Ouais, je vais bien, merci. Blini au saumon, oh my god, une tuerie. C'est bon, mais je préfère vraiment les toasts, tu vois. Genre blini, je trouve pas ça hyper bon. Je trouve ça... À part si tu les chauffes. Ouais, elle est mal. Est-ce que tu lui as demandé un autographe? Demandez un selfie, essaye pour voir. Et demander de prendre une photo. Allez. Mes besoins sont montés parce qu'on a utilisé des points de chaîne pour que je le fasse. D'accord, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que, en fait, tout le monde nous ignore. Ah, mais vu qu'il y a du monde, venez, on essaye d'être riche et célèbre. Tu vas... Quoi? Ok, elle est trop mal à l'aise. Je vous avoue que je vais enlever son malaise. J'ai le hockey. Waouh. Une tranche de pain grillé avec du pâté, un peu de moutarde et des cornichons. J'aime pas les cornichons. Alors, ça dépend. Non. Non, je vous dis des conneries. En vrai, j'aime bien les cornichons, mais les vrais cornichons. Pas les cornichons, on a déjà eu ce débat, genre dans les burgers et tout. Je fais partie de la team qui enlève tout le temps les cornichons ou qui demande qu'on lui enlève les cornichons quand je commande un burger. S'il y a des cornichons à l'intérieur, c'est pas bon. Je n'aime pas. Ça n'apporte rien à part de la dégueulassitude. Voilà, désolé. Mais par contre, les cornichons comme ça en pot et tout, j'aime bien. Les cornichons polonais, non.
C'est quoi la diff avec les cornichons de base? Elle va twerk pour être célèbre. Mais au pire, go twerker. Hein. Moi, elle m'a saoulée là. Y a rien qui se passe là. C'est, tout se passe mal. Madame, comment vous vous sentez? Mal? Toujours mal? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle va faire? Renverser. Mais elle est sérieuse. Elle va renverser la poubelle dehors. Merci, Lazia Kuti pour... Non, Laesia Kuti, pardon. Merci pour ton follow. Bienvenue. Non, mais t'as pas honte? Oh, merde. Vas-y. Magie. Sort. Impeccable. Oh, on peut faire ça, trop bien. Cornichon aigre-doux, les meilleurs. Moi, j'aime pas les cornichons, peu importe la sorte. Moi, j'aime bien ceux qui sont en bouteille, tu vois. Maïla. Tu vas pas pécho? Non, je vais pas pécho parce qu'elle est mal à l'aise, elle m'a saoulée. Pourquoi elle est mal à l'aise, d'ailleurs? Elle est mal à l'aise parce qu'elle a une tache de sang sur son slip. Prends de l'eau, bois de l'eau. À part si... Attends, bois de l'alcool, en vrai. Commande une boisson pour le groupe. Commande épicée sucrée. Les cornichons polonais, c'est mini concombre, mais en mode cornichon. Moi, je connais... Non, je crois que j'en ai jamais mangé. C'est-à-dire, je la comprends. J'adore les cornichons, sauf dans les burgers. Moi non plus, j'aime pas. Les cornichons dans les burgers, je trouve que c'est pas bon. Voilà, j'assume mon choix. Est-ce que tu as pris ton petit verre? Ouais, les règles, hein. Même dans les Sims, c'est pas facile. Et encore, je l'ai désactivé le truc. Hein. Et merci Luna pour ton follow, bienvenue, c'est gentil. Bois ton verre avec ta fille, là. Ta fille que tu alcoolises déjà, d'ailleurs, pour info. Pour info, elle est déjà en train de se faire alcooliser, la meuf. Oh, elle a... J'ai trop peur. Oh, elle en embrouille avec sa mère encore. Rancune tenace. Ah non, mais elle est hyper rancunière, en fait. D'accord, donc votre relation, elle est vouée à l'échec, hein. La relation, elle est vouée fortement à l'échec, hein. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Est-ce que, du coup... Bon, écoutez, on va twerker, hein. Va ici. Allez, on va gagner un peu d'argent. Extrême violence. Twerker pour de l'argent. Quoi? Pourquoi t'as arrêté? Elle est trop mal à l'aise, elle va pas vouloir. Non! Hello, Malo! Twerk! Twerk! Elle veut pas. Oh! Je vais la bomber. Pourquoi tu veux pas? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle a dit, je ne twerkerai pas pour de l'argent. Pourquoi tu veux pas? Elle veut pas. Ok. Je n'ai pas le droit de gagner de l'argent. Tu sais quoi, rentrante, vas-y. Vas-y, c'est éclaté. La soirée, elle est éclatée. Ta vie, elle est éclatée. Tout est éclaté. C'est fou. Je ressemble à ça aussi dans la vraie vie. Tu parles de qui, là? Alors, l'Okinawa ressemble à Céline Fion, apparemment. Est-ce que vous voulez qu'on mette une photo de Céline Fion et l'Okinawa à côté? De la dame... Oh, le manque de respect. Oh, je me fous tellement de gueule. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Écoutez, les gens, si vous connaissez pas l'Okinawa, je vous invite à aller essayer de découvrir sa tête. Apparemment, elle ressemble à Céline Fion. Elle est violette. Voilà, mais madame, faut arrêter de dire des bêtises. Continue. J'ai rien fait, wesh. J'ai rien fait. Loki, elle est trop belle. Bah oui, mais du coup, Céline aussi, elle est belle. En fait, Loki, elle se travestit des fois. Elle met des lentilles vertes fluo. Vous saviez pas? Oh, oh! Loki me donne pas des idées de donation goal pour le Battle 4. Loki ne me donne pas des mauvaises idées pour le Battle 4. Mais pourquoi elle a vomi? C'est l'Okinawa, je vous confirme. Elle vomit après ses soirées. Oh my god. Je vais acheter des lentilles fluo, Loki. Pour le Battle 4. Regarde, eh ouais, non mais, l'Okinawa. L'Okinawa après une soirée alcoolisée. Je vais même plus en soirée. Vous savez ce que c'est ça? Moi quand? Vous avez le droit de jouer au jeu genre, moi quand? Oh ma pauvre. Par contre j'ai les mêmes... Les gars, je vais déguiser l'Okinawa en Céline Fion pendant le Battle 4, ça vous va? J'adore mes poils, et vous? Moi aussi j'ai des poils, hein. Moi aussi, j'ai des poils. Moi quand je vois mon copain pécho ma pote en soirée,
Ah la testasse, vraiment. Sa tête égale épouse-moi chérie. Moi quand j'ai pas dormi de la nuit à cause des douleurs, vive les poils, vive les poils. Non mais en vrai, aucun complexe hein, sur les poils les gars, faut pas être complexé. Vraiment, on a tous des poils de toute façon, je vous dis. Après il y a des personnes évidemment qui n'ont pas de poils hein. Vous avez de la chance, bah, d'ailleurs je vous déteste. Parce que franchement, quand on est très brune en plus comme moi, je vous dis ça se voit, genre je suis très blanche, je suis très brune, du coup le moindre poil, wouh, ça se voit genre. Qu'est-ce qu'il y a là cette exception, je te l'accepte, je rien. Ah oui de fou, moi j'adore mes poils, mais il faut s'accepter. Et franchement, je vous avoue, alors on va dans un sujet qui n'a plus rien à voir, mais en vrai j'ai été très 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 longtemps complexée par mes poils, parce que j'en ai. Et honnêtement, alors je les accepte, je les enlève, mais c'est mon choix personnel. Merci Alison Jax pour le follow, bienvenue. Je les enlève par choix parce que c'est pour moi en fait que je le fais, c'est pas pour les autres, c'est pas pour plaire à des gens ou quoi que je les enlève. C'est parce que moi j'aime mon corps sans poils. C'est personnel quoi, ça me regarde que moi. Mais par contre, oh il va travailler. Mais par contre, de plus en plus de gens commencent à, de femmes surtout commencent à démocratiser le fait de se montrer avec des poils, etc. Et je trouve que c'est hyper bien et que ça décomplexe beaucoup de jeunes filles qui ont été, par exemple, dans mon cas à moi ou adolescente, je vous dis, les gens se moquaient de moi parce que je vous dis, je suis très blanche et bah, comme tout le monde, bah, j'ai des poils aux jambes, j'ai des poils aux bras, j'ai des poils sous les aisselles et j'ai aussi quelques poils sur le visage, notamment là, vous voyez, bah, j'ai des pattes, mais en fait, c'est des cheveux, quoi, c'est mes cheveux. Et pendant longtemps, je les ai enlevés et maintenant, je les enlève plus parce que je me dis, bah en fait, c'est la continuité de mes cheveux, les gars. Genre, je suis comme ça, c'est mon visage. Et je trouve pas ça choquant, en fait, d'être comme ça. Du coup, je dis, assumez vos poils, assumez-vous, ne vous détestez pas. C'est naturel, y a pas de souci. Si vous avez envie de les enlever, c'est ok, de fou. C'est ok, de fou, vous avez le droit. Genre, ça fait pas de vous quelqu'un de pas bien parce que vous les enlevez, parce qu'il y a aussi les extrêmes. Hein. Et si vous avez envie de les garder ou que ça vous fait trop mal de les enlever, tout ça, mais en vrai, ne vous emmerdez même pas la vie. C'est tout, voilà, c'était l'instant poil. Oui, moi aussi, ils riaient, maintenant c'est moi qui ris de leur tronche, bah voilà. Non mais c'est sûr, j'ai vécu la même, je suis blanche, j'ai des poils foncés, pareil. Bah, les Méditerranéens, pardon, ils sont souvent dans ce cas-là, ouais. Coucou Honey, ça va et toi? Pareil, j'ai de gros favoris, mais je les kiffe. J'ai de gros favoris, j'ai pas compris. T'es comme moi, Sissou? Bah oui, moi j'assume, j'ai des poils et j'ai même encore de l'acné à mon âge, hein. Sissou, devine quoi, la famille que dont je te parlais où ils étaient rouges et bleus, et ben ils ont eu un bébé. Ils sont devenus verts, du coup. Oh, les patounes, je les épilais. Ça me faisait des plaques et des boutons, et encore maintenant, je les assume, mes patounes. Bah oui, mais moi, j'en ai, tu vois, mais est-ce que, franchement, je vous dis pas ça en mode pour me mousser, mais est-ce que vous trouvez que c'est choquant? Genre, c'est des cheveux, quoi. Moi, ça me choque pas. Et j'ai déjà eu hein, des mecs et tout, enfin, pas des mecs, genre mes petits copains ou quoi, mais qui m'ont dit... T'as des pattes, mais c'est horrible. Mais regarde-toi, tu devrais avoir honte. Ou genre, tu sais, un truc du style, t'as un petit duvet sur la moustache parce que tu l'as pas épilé, tu vois. Du genre, moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont regardé en me disant, franchement, tu devrais avoir honte. Enfin, comment tu peux sortir et te montrer comme ça? Adolescente, on m'a déjà dit des trucs comme ça. Hein. Genre, pourquoi tu te montres comme ça? Tu devrais avoir honte. Épile-toi. Non mais, ça fait mal en plus de s'épiler. Par contre, je vous dis la vérité, moi... J'ai un objectif dans ma vie, c'est économiser pour faire du laser. Mais je vous dis, c'est un choix personnel et ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi-même. Voilà. Faut pas complexer, que vous soyez poilu, imberbe, grand, petit, maigre, potelé, vous êtes tous incroyables. Et Osef, on s'en fout des autres, très beau message, je l'aime ton message. Et je soutiens à 1000%. Qu'est-ce qu'il y a? Je lis rien, moi. Moi, je suis imberbe. Mais il y en a plein qui sont imberbes, hommes ou femmes d'ailleurs. Et c'est ok, tu vois. Tout est ok, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est grave ok. Les gens qui disent ce genre de méchanceté, c'est eux qui devraient avoir honte. Mais oui, mais moi, vous avez aucune idée de à quel point on s'était moqué surtout de moi pour mes boutons, parce que j'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais adolescente. Et encore aujourd'hui, j'ai 30 ans et il m'arrive d'avoir de l'acné, il m'arrive d'avoir des boutons. J'ai toujours pas réussi à trouver la cause du pourquoi, du comment. Je pense que... Alors, faut savoir que je suis fumeuse de base et je pense que la cigarette ne m'a pas aidée. Et a fait que ça m'a fait des boutons parce que là bah, ça va faire 2 semaines que j'ai pas fumé vu que j'ai été opérée des dents de sagesse et j'ai largement moins de boutons donc je pense que ça joue énormément. Du coup là je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer, figurez-vous, voilà, j'essaye, je croise les doigts pour que ça marche et puis je me mets pas de pression après. Et on s'est beaucoup moqué de moi par rapport à mes boutons en mode j'ai déjà eu, alors pour l'histoire, j'ai déjà eu une meuf, mais arrête de vomir là! Pardon, j'ai déjà eu une meuf qui, au lycée, j'étais en 3e, m'a dit « Non, je ne veux pas te faire la bise parce que tu vas me refiler tes boutons. » Ça m'avait blessée, mais à en pleurer à la maison, hein. Genre, j'en ai pleuré, vraiment. J'étais là, genre « Ah,
D'accord. Donc en fait, j'ai des boutons un peu sur les joues. On ne veut pas me faire la bise parce que sinon je vais en refiler. Je suis sale. Ça, je me suis dit, je suis sale. Et ça m'a vachement, vachement, vachement traumatisée. Je vous mens pas, hein. J'étais en troisième. Il est bleu, le gosse, elle est encore enceinte et moi, je voulais des jumeaux. En fait, tous les gens qui pensent que tu te fais belle ou beau pour les autres alors que c'est toi qui veux juste te plaire. Oui, il y a ça aussi. Il y a souvent des gens qui m'ont demandé, ouais, mais tu te maquilles pour te cacher, pour être belle pour les autres. Mais non, en fait, c'est juste que j'aime le maquillage. Genre, tu vois, je pourrais très bien lancer des lives, par exemple, où je me maquille pas et je m'en fous et tout. Mais en fait, c'est pas pour me cacher que je me maquille, c'est juste que j'adore le maquillage, j'aime me maquiller et c'est un plaisir dans ma journée de le faire. Donc je le fais. Mais ça va pas! On se calme! L'Okinawa nous a lancé dans un sujet de fou. Et j'aime ce genre de sujet. Je trouve que c'est ok et c'est cool de parler de ça. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir ce genre de discussion. Pour se rassurer aussi les uns les autres et dire qu'il y a des choses qui sont normales. Tu vois? Ma maman me le disait aussi, cela fait plus propre de les enlever, cela fait plus femme de ne pas avoir de poils. Faites comme vous le sentez, les filles et les garçons. Exactement, ouais, tout à fait. Moi, je suis contente en plus d'avoir des poils parce que du coup, j'ai des cheveux hyper épais, j'ai les sourcils hyper épais, j'ai des très longs cils et c'est grâce au fait que je sois quand même assez poilue, tu vois, de base. Genre, normal. Oui, elle vomit, il est là le fruit du dragon. Mais attends. Il n'y a pas de fruit du dragon! Il n'y en a pas du fruit. Où ça? Là? Qu'est-ce que c'est? Creuser, va creuser ça. Coucou, ça va, je te suis sur YouTube, sur YouTube sans bébé challenge. Bienvenue à toi, cœur. Oh my god, quelle méchante personne. Non, mais oui. Bah, je vous vois sur TikTok, je suis désolée si je vous réponds pas et tout. C'est parce que je fais pas forcément gaffe au chat de TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien qui est en bio, c'est beaucoup mieux pour discuter et tout, c'est cool quoi. Et les poils, ça couvre du froid, je te jure. À côté du buisson, mais. Vous me trollez là. Y a pas! Y a pas! Ouvre ça. Ah là! Oh, purée, pardon! Mais pardon, mais pardon, mais oui! Oh là là, mais qui c'est qui? Mais si, vous avez raison! Mais purée, mais franchement, ah! Je peux pas le prendre. Ah. Pourquoi? Non, mais vous avez grave raison en vrai, merci, purée, je suis désolée. Je vous dis, vous me trollez et tout, nanani, je suis désolée. Genre, vous avez grave raison, merci, mais je suis désolée, je ne l'ai pas vu. Mais en même temps, avouez que c'était pas évident. Par contre, je ne peux pas le prendre. Hein. Je peux soit le calciner, soit le manger. Je peux rien en faire. Et. Coucou Kessou, comment tu vas? Vends ça. Je peux pas le prendre. Manger. Pourquoi je peux pas? Ah, mais non, mais avouez que. Enfin, c'était pas si évident que ça. Je peux même pas le prendre. Nul. Qu'est-ce que t'as? Réputation atroce. Une réputation comme celle de Céline peut susciter de vives réactions. Oh, ça va, hein. Et ouais, du coup, voilà. Pourquoi tu peux pas? T'es trop mal à l'aise? Mince. Est-ce que ta fille peut... Elle peut pas? Elle est vénère. Amertume tenace, en train de décuver l'alcoolémie de trou est en train de diminuer. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Mode construction est dans l'inventaire. Je peux pas, parce que c'est pas sur mon terrain. Il est pas sur mon terrain, le truc. Comment tu vas, Kessou? Bah, j'ai pas envie de le manger, c'était pour gagner de la thune. Mais du coup, ouais, voilà pour le sujet des poils et des boutons et tout, les gars, vraiment, restez comme vous êtes, ne vous prenez pas la tête. Honnêtement, y aura toujours des gens méchants qui vont vous critiquer, en fait, quoi que vous fassiez. Dites-vous que, par exemple, moi, dans mon cas aujourd'hui, plus personne ne me fait de critiques sur mon physique, enfin, plus personne. En tout cas, j'ai plus de gens qui me font de critiques sur mon physique, et même si on m'en fait, j'en ai rien à faire, en fait, je m'en fous complètement. Mais il m'est arrivé d'avoir des proches qui m'ont dit, parce que j'ai beaucoup perdu de poids et j'ai beaucoup musclé, en mode, ouais, t'es trop mince et tout, t'es trop maigre. Nanani, nanana. Non, je peux pas. Je peux rien faire. T'es trop maigre, tu vas disparaître et tout. Tu veux t'effacer de la carte et tout machin. Et ouais, t'es quand même musclé et tout. Nanana. Mais je m'en fous, laissez-moi en fait. J'ai envie d'avoir le fusil. Le fusil, ouais. Le physique que je veux. Genre, laisse-moi tranquille. J'ai eu de la chance, pas de boutons. Moi, j'en ai eu, hein. Et j'en ai encore de temps en temps. Et du coup, ouais, mon acné, en gros, c'est, je pense, la clope. Et le stress aussi. Le fusil, t'es dangereux, toi. Mais je suis un peu chelou aussi, ouais, j'avoue. Et les cheveux, tu vas pas les couper alors que c'est des poils. Ben ouais, mais les gens, ils confondent tout. Enfin, parce que pour les gens, en fait, avoir trop de poils sur le visage, sur les bras, sur les jambes et tout ça, c'est pas normal. Et c'est tout. Ouais, Sissou, fais gaffe, t'es un peu trop bonne, etc. etc. C'est vrai, ça abuse les remarques que je prends. Zouk Machine, je vais te bomber, là! Pardon. Il est où, François? Il est dans... Pardon. Il est là. Il aime le fitness. Traîner dans la boue. Encore! Le nom de Céline est désormais associé au mot hébété. Les lecteurs de la presse People en ligne racontent qu'elle a été vue en public. C'est un drôle d'état. Dans un drôle d'état, ils l'ont vue bourrée. Zouk va se faire taper de fou.
Je vous trouve très ouvert, monsieur, calmez-vous, je te jure, c'est quoi ce mec là, oh 2500 balles pour porter plainte pour diffamation, moi je trouve que c'est pas normal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais donc, vu qu'il est l'heure, je suis désolée, m'arrêter ici. Des bisous, on va chez Loïni. Ciao, ciao.